Hey là. Ah, voilà. J'étais encore en studio mode. Ah, comment allez-vous Oh là 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 là. Oh, les vendredis matins... Il y a une seule chose pire que les vendredis matins, et je crois que c'est les lundis matins. Ou bien c'est l'inverse. En tout cas, c'est les matins. Ça, c'est sûr, c'est que les matins, c'est de la merde. Ah. Je sais pas pour vous, mais euh, les vacances commencent à se faire attendre. Hein. Vivement à la fin de 42SH, euh, je pense que je vous apprends rien en disant ça. Hein. <laughs> on est tous un peu fatigués. Hein. Ah, ceci marque la septième session avec vous. Septième session, vous vous rendez compte Et Chacune des sessions qui faisait trois heures, on a déjà fait... Waouh wow. On a déjà fait 18 heures ensemble d'harmonisation, vous vous rendez compte 18 heures d'harmonisation et là on enchaîne pour 3 heures de plus. Oh là là Faut-il que vous me supportiez hein Bon, comment vous portez-vous Ah. Ah, il y a les pubs obligatoires. Ouais, il faut juste mettre à jour. Euh, mettez u bloc Origine, hein. Mettez u bloc Origine pour les pubs. Euh... J'ai envoyé un message. Je me suis un peu renseigné sur toutes ces histoires de pubs, mais si vous voulez savoir, j'ai regardé. Euh, C'est peine perdue parce que d'une part, euh, d'une part, bientôt ils vont les remettre même sur ceux qui sont pas euh, Twitch affiliates. Et euh, j'envisageais de passer sur YouTube. Et euh, sur YouTube, euh, ils sont en train de parler de mettre des pubs, euh, même si on n'est pas monétisé ou n'importe quoi, qu'il y aura des pubs quoi qu'il arrive. Donc en vrai, euh, tout se fait en même temps. Ils ont bien compris le mouvement. Hein. Vous savez, dans ce genre de, de Lego pole, quand il y en a un qui commence à mettre en place les pubs pour tout le monde, bah, tout le monde suit le mouvement, quoi. Donc en fait, je me retrouve dans une situation où quel que soit la cellule de service que je vais utiliser, il euh, va y avoir de la pub. Donc euh... au point où j'en suis, je reste sur Twitch parce que au moins avec le, avec le truc d'affiliate euh, et potentiellement partenaire, euh, je peux choisir la qualité, comme ça tout le monde peut regarder, euh, même, euh, même si c'est choisir les différentes qualités, quoi. Donc euh... ouais. Voilà. Euh, donc ouais, euh, mais utilisez Ublock origine et mettez-le à jour. Hein. Adblock plus, c'est de la merde. Hein. Utilisez Ublock origine. Euh, et ouais, donc ouais. Donc hier, on s'est bien amusé. On a fait, on a joué du Broken, broken Picture Phone euh, sur le sur le Discord. Hein. Je vous rappelle que tous les tous les jeudis soirs, on fait du euh, avec entre, on fait des petits jeux, on fait des petits trucs marrants, on fait des loups garous, on fait des Broken Picture Phone, des Jackbox et tout ça. On n'était pas énormément hier, on était une petite vingtaine, euh, mais on s'est bien amusé. Euh, euh, venez, c'est marrant, on s'amuse. Euh, nouvel écran de pause. Non, l'écran de pause est le même, il me semble. J'ai pas fait gaffe, mais. Ah oui, oui, lui, oui, oui. Donc ça, c'est un dessin qui a été fait, qui représente, euh, euh, qui représente moi en train de me faire harceler par des élèves sur des questions à la con. Donc j'ai oublié, mais je vais en faire un avatar, je pense, parce que parce que je, je, je trouve que il y a quelque chose de très parlant. Quelque chose de très parlant dans cette image, je sais pas pour vous. Mm. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, ça harmonise bien, ça harmonise bien, ça fait plaisir. Je suis content de voir que vous avez encore la forme, que vous avez encore la patate. Euh... On passera l'éponge. Ouais, oublions, oublions le thème original. Euh, mais, euh... mais ouais. Euh, je suis content que vous soyez en forme. Euh, je suis content. Euh, on, on rentre dans une période euh, qui, comme je l'ai dit, est toujours un peu dure parce que hivernale, euh, généralement, c'est un peu le moment 42SH où, euh, euh, où les gens sont très fatigués. Où c'est l'arrivée de l'hiver, où il fait froid. Euh, euh, je me rappelle, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais euh, euh, à mon époque euh, où il y avait encore des problèmes très profonds dans l'école, on va dire, euh, quand j'étais étudiant, notamment où il y avait un rapport. Euh, euh, extrêmement antagoniste aux assistants. Euh, je me rappelle de quelque chose qui me marquait, euh, c'est que quand on croisait des élèves dans les couloirs et qu'on disait ça va, ils te répondaient non. Et voilà, enfin pour en arriver à ce stade où tout le monde te sortait non, ça va pas, c'est que c'est ce qui se passait quelque chose. Donc j'espère je que vous n'allez pas encore à ce stade. Je vois que vous avez encore un peu la patate, euh, même si c'est dur. Euh, je vois que les choses sont améliorées, même s'il y a encore des choses améliorées, tout ça, mais euh, si vous vous sentez mal, euh, comme je disais, c'est une vague émotionnelle, euh, c'est la période, c'est normal. Euh, je vous invite à toujours faire le travail d'être euh, en phase entre guillemets, avec, euh, euh, avec vos émotions et de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent euh, et toujours, toujours les accepter comme légitimes. Hein. C'est complètement légitime de se so sentir un coup de mou. Euh, vous travaillez euh, comme des brutes, comme des porcs euh, depuis la rentrée. Et alors certes, la rentrée, euh, elle dure pas depuis hyper longtemps, on a commencé en octobre, euh, mais ça fait quand même deux mois qui sont euh, extrêmement intensifs. Euh, le, le semestre 5, euh, le semestre, c'est plus un trimestre, hein, parce que c'est un semestre qui est extrêmement court, il dure cinq mois, et il dure trois mois, pardon, euh, en gros, hein, il dure trois mois, et euh, bah, ce qui fait, bah, il fait octobre, décembre, hein, et pourtant, en termes de, de, de quantité de travail, euh, vous avez fait l'équivalent de, de deux ans euh, dans un autre truc, quoi. Donc, c'est complètement normal que vous commenciez à être à bout de force, surtout avec 42 SH qui arrive. Euh, mais, raison de plus, pour terminer, euh, n'oubliez pas euh, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de jouer de temps en temps, de vous, de, de vous amuser, de machin, c'est important. On est des êtres humains, on a besoin de se reposer. Euh, D'une part, euh, parce que sinon on ne peut pas s'épanouir, on est, on est très malheureux. Et d'autre part, sur des raisons purement euh, pragmatiques et stratégiques, parce que sinon notre productivité, elle tombe en flèche. Donc ne serait-ce que pour votre productivité, prenez le temps de vous reposer, que ce soit regarder une série, que ce soit jouer à des jeux, que ce soit discuter avec des gens, j'allais vous dire aller boire des bières, en ce moment c'est un peu compliqué d'aller boire des bières, donc on trouve des activités relativement distanciées, je sais, mais euh, voilà, prenez le temps, c'est comme ça que vous arrivez à tenir le rythme, vraiment j'insiste. Ah. Je suis pas du tout en train d'essayer de gagner du temps parce que je suis euh, en train de mourir dans ma chaise en train de me dire de quoi je vais parler. Ah oui, Mandalorian. J'ai toujours pas regardé The Mandalorian, ça me tente pas, je sais pas, je sais pas pourquoi ça me tente pas. Ça me l'air un peu mon of the Week. Mais, crois que je jette un oeil quand même. Ouais, vous pouvez voir des bières en Corona-Péro, alors moi, moi j'évite, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis enquillé une bouteille de baileys tout seul. Donc maintenant j'évite. Je regarde rapidement. Ouais. Ouais bon. Ouais alors, en pratique... Euh, Je vais troller un peu, mais hein. le coup des CPGE en mode first time, euh, en pratique, euh, ceux qui ont du mal à enchaîner trois heures de cours, c'est les CPGE. Hein. <laughs> Désolé. <os>, hein. <laughs> euh, vous avez rien à prouver, commencez pas à faire les cacous en disant euh, Ouais, mais nous, les CPGE, nous on tient et tout ça. Euh, soyez en phase avec le fait d'être des êtres humains. Euh, acceptez le fait que vous avez le droit d'être sur les rotules, vous avez le droit d'être fatigué. Euh, vous avez rien à prouver en montrant que vous êtes des warriors. Hein. Vous êtes des êtres humains avant tout. Euh, bref, euh, avant que j'oublie, ouh, c'est pas le bon écran ça, euh, donnez-moi une seconde... Euh, bordel de merde. Ah 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 Non D Désolé, c'est compliqué. Donnez-moi une seconde. Il y a, y, a, y a des jours... Hein. Yes On y arrive euh, je switchais l'écran et donc mes, 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 mes boutons ne marchaient plus. Oui, je disais, avant que j'oublie, F76, OJF, voici le mot de passe d'aujourd'hui. Euh, ah, vous les entendez les gosses euh, Oui, j'habite à côté d'une école primaire en fait. Euh... Ah, c'est marrant que vous les entendiez, ça veut dire que, que la, sensi, euh, la sensi de mon micro a changé euh... Ah ouais, bah j'ai ouvert la fenêtre parce que, parce que j'avais besoin d'aérer un peu. Je peux voir pour baisser un tout petit peu la sensi, mais. Mais oui, j'habite à côté. Euh, j'habite juste à côté d'une école primaire. Euh, et j'aime bien. Ils me réveillent le matin et, euh, et ça donne un peu de vie. Donc. Euh... Ah, vous les avez toujours entendus Je croyais qu'on les entendait pas. C'est marrant ça. Faut dire que je n'ai pas la meilleure oui de tous les temps. Hein, mais... mais bon. Euh, bref. Euh, et bien, sous, sous le fond de, de bonheur des petits enfants euh, qui sont le futur de notre société de notre, et notre avenir, et protégeons-les, et blablabla, et blablabla. Euh, sur ce, euh, reprenons un peu le cours. On a fait nos. Nos, nos 15 minutes traditionnelles de, de se dire bonjour, euh, de se mettre en forme, de prendre notre café, de dire des conneries tous ensemble, ce petit moment de communion que, que j'apprécie toujours autant à passer avec vous. Je préférerais tellement pouvoir vous voir en vrai au moment où je fais ça. Euh, je préférerais tellement être vraiment, vraiment avec mon café en amphi avec vous en train de dire des conneries pendant 15 minutes pour, euh, pour se réveiller tous ensemble, faire ce moment de communion. Euh, C'est un truc que je fais, que je tiens vraiment à faire quand je fais, euh, quand je fais mes cours en présentiel. Euh, même si oh là là on perd du temps en cours euh, là j'espère que ce substitut euh, moi j'y trouve un peu mon substitut ça je préférais vous voir en vrai discuter avec vous en vrai mais bon moi je trouve ça Vivement qu'on puisse se voir quand même hein. allez lançons nous lançons nous parce que j'ai quand même un impératif de production vis-à-vis -vis de vous alors qu'est ce qu'on a fait la dernière fois je lance mon open board et je vous pose la question Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois Eh bien, la dernière fois, nous avons fait le retour des graphes. Ceci est ma tablette. Nous avons vu le retour. Ah bah, ouais, on, va se en, on va se mettre dans une belle couleur. Nous avons fait les graphes. C'est un H. Et en particulier... On a vu les algorithmes de recherche du plus court chemin. Et qu'est-ce qu'on a vu On a vu trois algos de recherche du plus court chemin. Euh, le premier qu'on a vu, euh, on a vu que d'une manière bête et méchante, faire un BFS, un parcours largeur, un breadth for search, permettait de faire une recherche du plus court chemin. Attention, seulement si. Euh, tous les poids euh, des arêtes sont les mêmes, ou s'il n'y a pas de poids, soit il n'y a pas de poids, soit tous les poids sont les mêmes, comme vous voulez, mais en gros, all weights equal. Sinon, forcément, euh, BFS ne peut pas marcher, parce que lui, c'est le plus court chemin en termes de saut, en termes de nombre d'arêtes. Par contre, si les arêtes ont des poids, forcément, ça ne marche plus très bien. Ensuite, on est passé sur euh, Bellmanford. Et qu'est-ce qu'on a vu dans Bellmanford Ford On a vu que l'algo qui était au cœur euh, de Bellmanford, c'était le principe de euh, relâchement. Et on relaxait euh, V-1. V moins une fois, toutes les arêtes Donc, bête et méchant, on faisait la procédure de relaxation et on itère sur tous les edges V moins une fois. Et V moins une, une fois, on allait voir toutes les edges, donc double boucle, hein, pour y allant de, 1 à v -1, de 0 à mes V moins 1. Ensuite, à l'intérieur de cette boucle, euh, pour tous mes edges, relâche. Et si on faisait ça v moins une fois, eh bien, on avait relâché tout le monde et donc on avait un et donc on avait un tableau qui nous donnait le chemin optimal de ma source vers toutes les destinations et donc a fortiori vers la destination cible que je visais. Parce que de toute façon, pour trouver la, le chemin le plus court de ma source vers une destination donnée, je dois connaître le chemin de la source vers toutes les destinations, parce que chaque euh, nouvelle destination potentielle peut être un raccourci. Donc, si on veut trouver le chemin optimal, on est bon pour euh, pour regarder tout le monde. Donc, on remplit le tableau de tout le monde. Et on a vu euh, Side Effect que euh, ça pouvait gérer les que ça pouvait gérer les chemins négatifs. Euh, donc, ça sait gérer les chemins négatifs, c'est ça qui est cool chez lui. Et ça sait détecter, détecte, les cycles négatifs. Et le cycle négatif, euh, là, algorithmiquement, ça n'a plus de sens. Si je fais un cycle négatif, ça n'a plus de sens. Il n'y a pas de plus court chemin s'il y a un cycle négatif. Mais Ford est capable de le détecter. Pourquoi Parce que euh, une fois que j'ai relâché V-1 fois, euh, j'ai trouvé le truc optimal. Si je peux encore faire des relâchements, je fais un dernier tour pour la route. Et si je rencontre que je peux encore faire un relâchement, c'est qu'il y avait un cycle négatif. Et enfin, donc ça, ça nous donne Bellmanford. Il est violent. Sa complexité, euh, bah, elle est ici. Hein. Elle est euh, V-1 fois le nombre d'edges. Donc elle est en V fois E, si vous voulez, en ordre de grandeur. V étant le nombre de vertex, euh, de vertice, et E étant le nombre d'edges. Et on a vu enfin l'algorithme de Dijkstra, 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 Edsger Dijkstra. Et qu'est-ce qu'on a vu chez Dijkstra Qu'on pouvait voir ça, je ne sais pas dans laquelle mesure, c'est le plus formel du monde, euh, mais moi je le vois comme ça et ça m'a toujours très bien plu. Euh, de voir ça comme une sorte d'optimisation de Bellman Ford. C'est une optimisation gloutonne, hein, c'est ce qu'on appelle un algorithme greedy, un greedy algorithm, on va en voir d'autres. Euh, un algorithme greedy, c'est un algorithme qui à tout moment, euh, pour trouver sa prochaine étape, choisit une solution localement optimale. En fait, c'est euh, les algorithmes gloutons, ou en anglais les greedy algorithms, c'est ceux qui à tout moment, pour choisir leur prochaine étape, ils choisissent l'étape qui, euh, qui est localement optimale, qui euh, qui résout au mieux jusqu'à présent. Et on voit que Dextra est typiquement l'algorithme canonique euh, et l'exemple canonique des algorithmes gloutons parce que lui, c'est une optimisation qui nous permet euh, de, relâcher, euh, de relâcher les edges une seule fois. Donc, on continue à fonctionner sur le système de relâchement, mais chaque edge n'aura à être relâché qu'une seule fois et pas V-1 fois. Et il existe un ordre, il existe un ordre de, de, de relâchement, donc je vais, faire, euh, je vais faire E relaxation, E étant le nombre d'edges, mais je vais les faire dans un certain ordre, et il existe un ordre tel que je peux le faire qu'une seule fois à chaque fois, et j'aurai atteint le même degré, le même niveau qu'avec Bellman Ford. Et quel est euh, cet ordre Cet ordre est l'ordre glouton, c'est à tout moment celui qui coûte le moins cher. À tout moment, celui qui coûte le moins cher. Donc à chaque fois, j'ai un ensemble d'arrêtes que je peux relâcher. Et quelle est l'arrête que je choisis de relâcher C'est celle euh, qui euh, minimise au maximum euh, d'une manière générale. C'est l'arrête qui me coûte le moins cher. Et, et avec ça, euh, on a une optimisation et donc du coup... Euh, quelle était la complexité On a vu que la complexité, attention piège, on pourrait croire que la complexité c'est juste du, de l'ordre de grandeur de e, mais trouver la ledge le plus petit à chaque fois et trier et tout ça, en pratique amène un temps logarithmique, euh, et parce que en pratique on va les mettre ça, on va mettre ça dans un tas, hein. donc en pratique c'est du e fois log de log de v, donc en pratique c'est logarithmique. Mais par contre, quels sont les problèmes Attendez, je grabe euh, pour faire un tout petit peu de place. Non, nie, nie. Pour faire un tout petit peu de place. Euh, mais en pratique, on a vu qu'il y avait un gros problème. C'est que ça ne sait pas gérer les poids négatifs. Ça ne sait pas gérer les poids négatifs parce que euh, notre information d'avoir choisi un truc localement optimal peut être invalidé par la découverte d'un truc qui avait l'air plus gros, mais finalement euh, vient un chemin négatif à rattraper son retard. Et comme nous, on part du principe que on fait un truc qui est localement optimal et à la fin on sera globalement optimal. Bah forcément, si on a un point négatif, si on a une arête avec un point négatif, on peut avoir une information qui est localement optimale, mais qui ne sera pas globalement optimale euh, parce qu'elle peut se faire battre par quelqu'un avec un point négatif. Et donc notre assumption, euh, notre gloutonnerie, nous joue des tours, en gros. S'il y a des points négatifs, notre gloutonnerie nous joue les tours. Et donc, comme je disais, le terme, c'est ce qu'on appelle des algorithmes greedy. Les greedy algorithmes ou gloutons, les algorithmes gloutons en, en français. Qu'est-ce que vous avez à comprendre des algorithmes gloutons C'est juste que parfois j'emploierai ce terme. Repensez toujours à des extras. À chaque fois, quand je me posais la question, bon, c'est quoi ma prochaine étape euh, parce que je ne le fais pas de manière arbitraire, je n'itère pas de manière arbitraire, j'ai une intelligence dans mon, dans mon itération. Et quelle est la prochaine étape Eh bien, je prends celle qui me maximise localement ma solution, à défaut d'avoir une solution globale. Et les algos qui font ça, ça s'appellent des algorithmes gloutons. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que tout va bien pour vous Non, ici. Euh, être réveillé par les enfants, c'est me par un coq. Euh, bah je l'ai fait le check présence Je l'ai fait le check présence Camarade Et il faut Il faut écouter hein euh, On peut faire un zoom Avec la tête de tout le monde au début du cours Ouais on pourrait ça pourrait être cool euh, En fait euh, C'était une idée auquel j'avais pensé euh, J'ai une petite pause avant d'entendre là dessus J'aurais dû en parler euh, Je pense que j'ai besoin de vous faire un peu plus Pratiquer parce que là, euh, là c'est beaucoup de moi qui fait des choses et vous qui écoutez. Même si j'essaye de faire du code, d'essayer d'être un, euh, un, un peu rythmé. Et j'aimerais beaucoup vous faire programmer, en fait. Pendant les heures de courant. Euh, pas avec des trucs à ramener à la maison, parce que euh, vous avez déjà des projets à faire. Euh, mais j'aimerais beaucoup euh, vous faire programmer. C'est des choses que j'aimerais faire avec vous. Je ne sais pas encore comment faire niveau logistique. Mais j'aimerais bien, par exemple... Euh, euh, vous nous mettez des boulots et entre guillemets vous séparez en petits groupes et passez de groupe en groupe euh, pour, euh, pour travailler avec vous. Euh, J'aimerais potentiellement, s'il y en a que ça intéresse, faire du pair programming avec certains d'entre vous. S'il y a des gens qui sont partants, alors il faut, euh, faut un peu accepter le, le stress d'être devant une caméra, entre guillemets, et, et devant tout le monde, euh, mais qui serait de, euh, de venir euh, en Discord avec moi, en partage d'écran, et qu'on fasse du pair programming devant les autres, et qu'on discute ensemble, et qu'on voit comment on apporte un problème, qu'on réfléchisse et tout ça. Donc, c'est rien d'impératif, ça, cette deuxième partie. Moi, je trouve que ce serait intéressant, c'est pour les gens qui seraient partants. Potentiellement, selon les capacités, je ferai de mon mieux pour que ça reste entre guillemets anonyme sur les vidéos que je poste. Mais potentiellement, dans le doute, on peut, si vous pouvez entre guillemets signer la décharge, mais enfin donner votre accord. Et... Enfin bref, un truc comme ça. Mais si ça vous intéresse, moi je suis partant. J'aimerais bien faire des choses qui soient plus interactives avec vous et qui vous amènent à travailler parce que j'ai envie de vous voir en train de coder pour me rendre compte des difficultés que vous avez. J'ai besoin de vous voir en train de coder et de voir comment vous abordez les problèmes, de voir comment vous rentrez, vous rentrez dans l'art, de la manière de découper vos trucs et tout ça pour pouvoir vous aider. Donc je vais y réfléchir. Je suis très preneur de vos suggestions. Balancez-moi plein d'idées sur le forum là-dessus si vous voulez faire ça. Ah bah euh, live coding géant. Euh, ouais, ça peut se faire. En gros, faire des petites breakout rooms et euh, chacun vont, vont sur des trucs. Donc, euh, il faut que j'y travaille un peu. Ce euh, c'est pas, pas prêt pour tout de suite, mais il faut que j'y travaille un peu. Mais si vous êtes partant, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Donc, peut-être ce sera pas sur Twitch. On fera peut-être sur des petits groupes qu'on sépare, qu'on machin. Euh, je vais voir. Peut-être qu'on redescendra sur Teams. Euh, je vais regarder et, euh, et on va voir ce qu'on arrive à faire. Et ouais, et, et le père programming, c'est trop bien. Vive le père programming. Ok. Euh, du coup, ceci étant dit, ceci étant dit euh, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on va donc voir aujourd'hui Et j'ai pas mal de choses que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Toujours en structure de données, avec toujours le warning que, attention, euh, euh, très très vite, je touche, à, je touche aux limites des choses que je peux faire de tête, entre guillemets. Hein. Euh, je ne suis, suis pas un prof d'algo, et plus on avance, dans, plus on avance dans, dans les trucs de structure de données, de les algos un peu complexes, euh, plus j'ai besoin de, de bachoter ça. Hein. Je, je vais être honnête, euh, je ne vais pas prétendre avoir tout ça de la tête à tout moment. Euh, je suis un prof de réseau. Autant ces algorithmes-là, euh, tous ce les algos qui concernent les graphes, étant dans le réseau, je les connais bien, parce que c'est des algos qu'on retrouve énormément lorsqu'on fait du réseau. Hein. Euh, les recherches du plus court chemin, euh, je peux vous dire, oui, on voit ça quand on fait du réseau. Hein. Et le prochain algo que je vais vous montrer, on va le voir beaucoup dans le réseau. Mais sinon, d'une manière générale, je vous demande toujours un peu d'indulgence parce que euh, ouais, je fais de mon mieux. Quoi. Bref, aujourd'hui, il y a. Je ne sais pas dans quel timing je vais le faire, mais il y a deux choses dont j'aimerais parler avec vous. J'aimerais parler rapidement euh, d'un truc qui s'appelle les arbres de recouvrement, les spanning trees. Euh, assez rapidement, je vais probablement pas faire de code, on va que faire du pseudo-code, de l'explication et du machin, mais je veux juste que vous entendiez ce terme et que vous voyez à peu près les algos. En particulier, on va voir ce qu'on appelle les minimum spanning tree, les MST. Oui, oui, l'acronyme est drôle, haha, ça fait MST, haha. Euh, mais c'est minimum spanning tree ou en français arbre de recouvrement minimum. Donc les spanning trees, c'est les arbres de recouvrement. Donc euh, j'aimerais qu'on passe un peu de temps avec ça, ça, ça va nous occuper jusqu'à la pause. Et enfin, euh, une fois qu'on aura fait ça, euh, on va retourner sur les arbres de recherche. Et on va retourner sur tout ce qui est les arbres de recherche auto-équilibrés. Parce qu'il faut, euh, faut qu'on aborde un peu ça. Euh, et selon les choses qu'on va voir, on va parler euh, vraiment d'une manière chrono des AVL, parce que je ne veux pas trop m'attarder sur les AVL, je les trouve chiant les AVL. On va parler des Red Black. Et en passant par là, on va devoir parler des 2, 3, 4. Et idéalement, euh, l'endgame, ce serait de vous parler des bêtises. Je ne sais pas si on va réussir à parler des bêtises aujourd'hui. Euh, sinon, on aura préparé le terrain et on fera les bêtises la prochaine fois, euh, ou à un autre moment, ou n'importe quoi. Mais ça, c'est un peu mon... mon plan. Et normalement, on commence à on commence à avoir vraiment, vraiment... Une fois qu'on aura fait ça, on aura vraiment, vraiment euh, beaucoup rattrapé euh, les cours de structure de données des, euh, euh, des prépa intégrés. Vous commencerez à avoir à peu près le même bagage, euh, le même vocabulaire, et normalement, vous devriez être euh, plutôt en phase. Donc, voici pour euh, l'os euh, planningos. Euh, alors... Euh, comment qu'on va faire ça Allez, commençons par les arbres de recouvrement. Et pour parler des arbres de recouvrement, je vais pas dessiner un arbre, je vais dessiner un graphe. Donc je commence par les Spanning Trees. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre de recouvrement Je vais d'abord dessiner un graphe. Vous savez à quel point j'adore dessiner des graphes. J'ai l'impression qu'ils ressemblent toujours à la même chose mes graphes, vous ne trouvez pas Oh, merde euh, non je l'aime pas lui finalement, j'ai pas envie de faire de euh, toi tu vas là toi tu vas là ouais tous mes graphes ils ressemblent ils se ressemblent toujours hein, c'est assez incroyable euh... Ils font très world of goo mais euh, mes graphes je, je trouve euh, Allez et lui on va le faire bidouiller comme ça Parfait donc ici on a on a un arbre quelconque et qu'est-ce que c'est qu'un arbre de recouvrement Un arbre de recouvrement, c'est un arbre qui est issu d'un graphe et qui permet, si vous voulez, euh, c'est un arbre qui permet d'atteindre tous les nœuds depuis un point de départ, mais qu'à aucun moment il y ait un cycle. Donc, il faut que les arêtes, euh, qu'il n'y ait pas de cycle entre les arêtes. Le but, c'est de tracer un chemin, je vais le faire en rouge ici, le but, c'est de tracer un chemin d'un point de départ quelconque. Il y a plusieurs arbres de recouvrement possibles, hein, euh, à chaque fois, mais, euh, et donc, euh, on va dire, je pars arbitrairement de, de lui, ici, par exemple, et je dois euh, dessiner un arbre à partir de ça. Donc, ça peut être un arbre général, il peut avoir plusieurs fils, hein, mais qui me permet d'atteindre tous les graphes de tous les nœuds du graphe, mais à aucun moment je boucle. Donc un exemple, par exemple, euh, je peux avoir ça, euh, ça, euh, ça, euh, je peux avoir lui, je peux avoir lui. Est-ce que j'ai le, euh, est le droit de mettre lui Non, parce que si je mettais lui, ça ferait un graphe, ça, ça ferait une boucle. Pareil, lui, je peux pas le mettre, lui, je peux pas le mettre. Mais c'est pas grave, euh, je peux faire lui et lui et lui et lui. Donc vous voyez, c'est pas un graphe, c'est un arbre. Alors certes, un arbre général euh, où on peut avoir, euh, on peut avoir euh, plus que deux fils. Hein, c'est pas un arbre binaire. Et vous notez que j'ai réussi à atteindre tous les nœuds du graphe, euh, euh, tous les nœuds du graphe sans boucle à quoi ça sert de faire ça? à quoi ça sert de faire ça? le grand classique, c'est imaginer que ceci représente une cité, une ville, et que vous cherchez à couvrir euh, et approvisionner la ville en électricité. et vous voulez atteindre tous les spots et dresser euh, et tirer des câbles euh, électriques souterrains pour euh, alimenter euh, la ville en réseau électrique et que tous les spots soient alimentés de manière électrique. Mais bien sûr, nous, ça ne nous intéresse pas de, euh, ça nous intéresse pas de faire de boucles. Ça n'a aucune valeur. Parce que bah, tirer un câble, ça coûte de l'argent. Donc on aimerait tirer le minimum de câbles euh, pour couvrir tout le monde. Donc si vous voulez, c'est la manière de couvrir tout le monde. Donc c'est ce qu'on appelle un arbre de recouvrement. Un spanning tree et l'absence de cycle. Un autre exemple, on aura l'occasion de le voir, mais là ce sera sous une autre casquette lorsque je ferai mes cours de réseau. On aura l'occasion de voir euh, que les, les arbres de recouvrement, les spanning trees, sont très utiles et sont utilisés en réseau euh, pour empêcher d'avoir des boucles euh, et éviter d'avoir des messages qui partent en boucle infinie. Et on a des algos, un algo qui s'appelle STP, le Spanning Tree Protocol, euh, qui construit des arbres, des, des, des arbres de recouvrement pour détecter des cycles et désactiver les liens redondants qui causent des cycles afin d'éviter euh, bah les boucles infinies. Quoi. Donc euh, les arbres de recouvrement, c'est quelque chose qu'on va voir euh, pas mal. Donc ça va jusqu'à présent, je vérifie que tout va bien. On dirait un escargot mon arbre. Euh... Alors, euh, les vidéos, elles sont posées sur le, elles sont posées sur le Moodle, hein. euh, Comment on fait trop les cours. il y en a qu'un seul sur Moodle. Non, 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 il y a plusieurs vidéos sur le Moodle. Il hein, y a toutes les vidéos. Il y a peut-être pas la toute dernière que j'ai merdé, que j'ai pas encore uploadée, euh, mais, elle est sur le, mais elle est sur le, mais elles sont toutes sur le Moodle. Hein. Et ou sinon sur YouTube. Et Moodle, c'est juste un lien sur le YouTube. Euh, bah YouTube, bah, va, va sur le cours du Moodle. Hein, elles sont, elles sont là-dessus. Hein. Euh, ouais. Euh, donc, ouais, la, la question euh, pour le spanning tree avec un graphe, on peut avoir plusieurs spanning trees différents. Oui, tout à fait, il n'y a absolument pas de propriété euh, d'unicité parce que j'aurais pu complètement euh, partir, j'aurais complètement pu partir de, de lui par exemple, aller ici, et peut-être que pour une raison X ou Y, lui je l'aurais pas fait et à la place c'est lui que j'aurais utilisé ou euh, inversement et tout ça. Donc, il n'y a absolument pas de contrainte d'unicité sur un arbre de recouvrement. Il y a plusieurs arbres de recouvrement. Je reviens rapidement pour montrer euh, sur les vidéos, euh, par rapport à la question des vidéos. Euh, vraiment, elles sont, euh, elles sont là, les vidéos. Hein ah, il n'y a peut-être pas les toutes dernières. Ah, ouais, faut, oh, il faut que j'y rajoute. Ouais. Je vais rajouter les toutes dernières. Mais sinon, euh, vous allez sur ma chaîne YouTube, elles y sont toutes. Hein. Elles sont toutes sur ma chaîne, euh, sur ma chaîne YouTube ou dans l'historique de Twitch. Mais euh, elles sont toutes là. Euh, ok. Est-ce qu'on saura... Toujours capable d'en trouver un. Euh, oui, oui, oui. Euh, tu peux toujours construire un arbre de recouvrement à partir d'un graphe. Euh, le seul truc, c'est euh, si jamais tu as euh, là le graphe, il est connexe. Si jamais euh, tu as plusieurs composantes connexes, c'est-à-dire que par exemple mon graphe possédait en plus un îlot inatteignable ici. Forcément, ton arbre de recouvrement ne pourrait pas l'atteindre. Par contre, tu peux faire ce qu'on appelle une forêt de recouvrement. Donc là, par exemple, j'imagine qu'en plus j'ai cet îlot là. Eh bien, en plus de ça, tu as ça. Et donc, tu as une collection d'arbres de recouvrement. C'est ce qu'on appelle une forêt de recouvrement. Mais pour un graphe qui est connexe, ou je ne sais plus si on dit connexe ou fortement connexe, je m'embrouille toujours dans les termes. mais On va dire connexe, pour qui n'a pas d'îlot où tout le monde est connecté, quoi. Euh, eh bien, on arrive complètement à faire un, à construire un arbre de recouvrement. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle notre spanning tree. Ceci est un arbre de recouvrement et on aura l'occasion de voir ça en réseau. Euh, notamment, hein, je vous fais très rapidement l'exemple en réseau, vous, vous le verrez euh, quand j'en parlerai pendant le cours de, pendant le cours de réseau. Euh, mais le grand classique que vous allez avoir, euh, ça va être vous avez euh, un switch ici qui est connecté à des machines, euh, qui est connecté à un autre switch. Logique, tout va bien. Et euh, qu'est-ce qui se passe à un moment où il y a un deuxième câble qui est branché sur le switch, et donc il y a une boucle réseau. Vous voyez, on a une boucle réseau ici. Et le problème, c'est ce qui se passe lorsque le switch reçoit des trames de broadcast et qu'il a besoin de broadcaster. Parce que broadcaster, ça veut dire, quand je reçois un truc de broadcast, je l'envoie à toutes mes autres pattes. Donc lui, quand il a reçu un broadcast, il l'envoie sur ses deux pattes. Et lui, quand il reçoit un broadcast ici, il rebalance à tout le monde, donc il rebalance là. Donc lui, il a reçu un broadcast sur lui, donc il rebalance là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en plus, à chaque fois, quand ils font ça, ils refont un fils et ils doublent, et ils doublent, et ils doublent, et, double et ça fait, ça, ça fait ce qu'on appelle une tempête de broadcast, et le réseau, il se pète la gueule et il explose. Et donc avoir une boucle réseau au niveau des switches parce que euh, les trames Ethernet n'ont pas de TTL, de time to live. On avait vu en IP qu'il y avait le time to live et que quand on passait par un routeur, on décrémentait la durée de vie de 1 et ensuite on dropait le paquet pour, pour, en, pour empêcher les boucles infinies. Euh, on a ça en IP, on n'a pas ça en Ethernet. Et le problème, c'est qu'on passe pas par un routeur, donc on n'a jamais l'occasion de décrémenter. Et donc ici, boum, 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 le réseau tombe par terre. Et pour résoudre ça, les switches, on active un protocole qui s'appelle STP, le Spanning Tree Protocol. Et en fait, il fait tourner un... en fait, il communique avec tous les autres switches avec lesquels il est connecté pour obtenir une vision complète du graphe des switches connectés. Et ensuite, chacun localement fait tourner un algorithme d'arbre de... de recouvrement pour détecter euh, s'il y a des liens redondants. Et lorsqu'il trouve un lien redondant, euh, il le désactive de manière software et refuse de s'en servir. Et pareil pour l'autre camarade, camarade, et du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de graphe. Et donc comme ça, on peut avoir nos deux liens par redondance, et on peut brancher et faire des boucles, et c'est pas grave, et ils sont dé dé désactivés, et donc on n'a pas de tempête de broadcast. Donc voici un exemple d'application euh, euh, du, du Spanning Tree Protocol, enfin de, des arbres de recouvrement. Mais un autre exemple euh, des, des arbres de recouvrement, euh, c'est les fameux arbres de recouvrement minimum, les minimum spanning tree. J'aime bien me. Je suis un peu. Euh, vous avez remarqué, je suis un peu. Euh, J'ai un peu les tocs sur les couleurs. Euh... Les minimum spanning tree, on va reprendre euh, le schéma. J'aurais dû partir plutôt sur lui. Bon, c'est pas grave, je redessine rapidement. Euh, Baba, bah, youbi du toi tu vas là, toi on va dire que tu vas là, toi tu vas là. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, euh, tu vas là. Allez, super. Jean-Michel Goodenov. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre de recouvrement minimal C'est un arbre de recouvrement qui va chercher à minimiser euh, le, po le poids des arêtes. C'est-à-dire que par exemple, ici, je vais avoir un poids de 12, 15, euh, 30, euh, 10, 50, euh, 42, 25, 8, euh, 37, euh, 20 et 18. Voilà, j'avance des conneries. Hein. Et l'idée, cette fois-ci... N'est pas de se contenter de faire un arbre de recouvrement, mais de trouver un arbre de recouvrement minimal, c'est-à-dire euh, si on fait la somme de toutes les arêtes qui ont été sélectionnées, on minimise ce, ce poids. On cherche un arbre qui minimise, euh, dont la somme du poids de toutes les arêtes qui ont été sélectionnées est minimale. Donc par exemple, euh, je ne vous garantis pas que là, tout de suite, je pourrais euh, en trouver un. Bah, si je vais dérouler un algo euh, euh, que je connais. Euh, lui. Euh, ensuite, lui. Lui. Il me reste euh, 50, 42, 25, 20. Lui. Euh, lui. Euh, lui. Lui. Et. Ah, oh tiens, j'ai pas mis de poids ici, au milieu. Euh... Ah, ouais, bah j'aurais pas du tout fait la même chose selon le poids. Je vais mettre un gros poids. Parce que, oui, oui si j'avais mis un petit poids ici, je serais clairement parti ici. Mais, mais j'ai pas fait gaffe. Euh... Lui. J'espère que je me suis pas trompé. J'espère que je me suis pas trompé. Euh, mais a priori, à moins que je me sois merdé, euh, ceci est un arbre de recouvrement minimum. Et le coût total, le coût total est la somme du poids des arêtes qu'on a sélectionnées. Alors, à quoi ça sert de faire ça euh, La meilleure manière de voir ça, et d'autant plus que historiquement c'est un peu comme ça que c'est arrivé, c'est de voir dans ce poids une composante financière. Reprenons l'exemple euh, du réseau d'une ville qu'on cherche à euh, qu qu'on cherche à minimiser, euh, qu'on cherche à couvrir avec le moins cher et on suppose que ça c'est les différents chemins qu'on peut choisir pour couvrir et qu'à la fin on doit couvrir tout le monde mais bien sûr il y a des chemins qui coûtent plus cher parce que peut-être qu'il faut faire un circuit qui est plus profond parce que ce terrain est compliqué ou peut-être que lui en fait il est privé, il faut payer à quelqu'un un machin ou n'importe quoi et, et on veut couvrir tout le monde en payant le moins cher. Donc là, c'est typiquement là, euh, tous les systèmes euh, d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en électricité, euh, tous ces trucs-là, quoi. Lorsqu'il s'agit de couvrir tout un terrain et d'avoir couvert tout le monde en en faisant le moins possible, en dressant le moins de, de tuyaux euh, ou de câbles, euh, c'est là que les arbres de recouvrement minimum vont avoir leur sens. Donc ça, c'est un très, 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 très grand classique. Et d'ailleurs, historiquement. Euh, un des premiers algo qu'on a vu était l'algo. J'ai oublié le nom de la personne, euh, mais c'était un Tchèque de République Tchèque, euh, un ingénieur euh, ou un ingénieur ou un architecte euh, qui cherchait à à couvrir euh, une région dont j'ai oublié le nom. Comment elle s'appelle euh, Molavie, un truc comme ça. La Molavie, Attendez. Vous savez quoi On va retrouver ça. Euh, euh, minimum spanning Tri, non, minimum spelling tree. Euh, le nom de l'algo. Ah, Moravie. Ah voilà. Euh, C'était le scientifique Borovka. J'écorche sûrement son nom. Otakar Borovka. Et son but était de couvrir euh, en électricité la Moravie. Voilà. Donc euh, effectivement, euh, très clairement, vous voyez euh, le type d'algo. Nous, celui qu'on va étudier, c'est marrant parce qu'en cours d'algo, on ne parle quasiment jamais de Borovka. Les deux grands algos qui sont vus, euh, c'est prime et Kruskal. Euh, moi, je prends vais probablement vous parler de prime parce que c'est vraiment, vraiment euh, le plus simple. Et on va se faire prime, euh, prime tranquillement. On pouvait regarder, hein, j'invente rien. Il y a des propriétés, on s'en fout un peu. Euh, L'unicité, c'est uniquement si euh, tous les poids sont différents. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on va étudier et je vais vous dérouler un peu l'algorithme de prime. Euh, ça se passe bien pour l'instant. Euh, David Goudenoff, ouais, mais je préfère dire Jean-Pierre Goudenoff. Euh, t'as le streaming, pas les enregistrements euh, Non, bah, sinon t'as un mais, mais va sur YouTube. Va, va sur le truc YouTube, sur ce que j'ai mis sur le Moodle, euh, tu vas les trouver. Alors, si j'ai bien compris, la seule raison d'être d'un arbre de recouvrement et de passer une unique fois sur chaque sommet d'un graphe. Tout à fait. On ne passe pas par le sommet tout en bas dans le cadre de l'exemple de l'arbre de... Ah si, 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 on passe par l'exemple tout en bas, c'est moi qui ai oublié. Tu as entièrement raison, je l'ai oublié celui-là. Et euh, comment on le fait avec le poids minimal euh, Quel est le poids minimal pour t'atteindre C'est euh, toi. Non, tu as entièrement raison, je l'ai oublié. C'est moi qui l'ai oublié, je suis un trompe. Le but est d'atteindre chaque nœud exactement une fois. Et euh, de la manière qui coûte le moins cher. Euh, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Euh, du coup, comment on va faire ça Il y a plusieurs algos, comme j'ai dit. Les deux grands algos que généralement on voit en cours d'algo sont euh, euh, l'algorithme de Prime et l'algorithme de Kruskal. Et euh, historiquement c'est intéressant de connaître l'algo de... J'ai déjà oublié son nom, Bortovac Burtovac. Je suis pas bon avec les noms, hein. j'ai un gros problème de nom. Euh, Boruvka, putain. De, de Boruvka. Parce que euh, c'est 1926, quoi. Et pareil, ça s'appelle l'algorithme de Prime, mais bon, c'est Voitec qui l'a trouvé en 30. Hein. Donc bref, comme d'hab, hein, le nommage des noms. Hein. Euh... Les deux grands qui sont vus généralement, c'est Prime et Kruskal. J'ai un peu la flemme de les coder parce que ça va être chiant à coder. Quoique, non, c'est pas la mort à coder, mais. Euh, je n'ai pas envie qu'on qu s'éternise dessus. Euh, mais je vais juste vous parler de l'algorithme de Prime parce que euh, l'algorithme de Prime est un algorithme glouton. En fait, tous les algos sont des algorithmes gloutons. Hein. Les quatre qui sont présentés sont des algorithmes gloutons. Euh, mais l'algorithme de Prime ressemble énormément. Euh, énormément énormément à des extra euh, ça veut dire que si vous avez compris l'algorithme de des qu'on a fait euh, la dernière fois l'algorithme de prime devrait vraiment passer euh, euh, finger in the nose euh, pourquoi parce qu'il y a une propriété, je ne vous déroule pas toutes les propriétés des arbres de recouvrement minimum. Vous pouvez regarder ici qu'il y a euh, le cycle property, le cut property. C'est le cut property, c'est celle qui est invoquée pour faire que l'algo va bien marcher. Mais j'ai pas envie d'entrer dedans, blablabla. Bla 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 bla. Mais pour des raisons X ou Y, comment marche l'algorithme de Prime L'algorithme de prime, il est super simple. Je vais le réexpliquer après, je vais le refaire en pseudocode et tout ça. L'algorithme de prime est super simple. Étant donné qu'il peut y avoir plusieurs arbres de recouvrement, même plusieurs arbres de recouvrement minimum, la seule chose qu'il dit, c'est si jamais tous les poids sont différents, alors il n'y en a qu'un seul, mais ça on s'en fout. Donc retenez juste, il peut y avoir plusieurs arbres de recouvrement minimum. On va partir arbitrairement d'un point de départ donné. Genre, je suis parti arbitrairement de lui, j'aurais pu partir arbitrairement de n'importe qui. On a, et on va faire comme des extra sauf que plutôt que de faire un relâchement, nous, la procédure de relâchement, c'est si je t'ai jamais choisi, euh, bah, je, je t'ajoute à l'arbre, entre guillemets. Je choisis de t'ajouter à l'arbre. Et, euh, et ensuite, euh, je, tu n'es plus un candidat euh, potentiel, entre guillemets, quoi. Et dans quel ordre on fait ça? À tout moment, parmi toutes les arêtes qu'on peut choisir, on prend l'arête qui coûte la moins cher et qui amène vers un nœud qu'on n'a jamais vu. C'est tout. Donc l'algorithme, euh, l'algorithme de prime. Donc l'algorithme de prime. Euh, est vraiment vraiment euh, super simple. Hein. À coder, voilà, à coder, je devrais représenter ça et machin, et ça me fait chier, donc je préfère euh, juste l'écrire en pseudo-code. L'algorithme de Prime est super simple. Euh... Euh, on part d'un euh, nœud arbitraire. Euh, pour euh, toutes les arêtes comme ça qu'on écrit arêtes euh, vers nœud inconnu. Donc pour toutes les arêtes qui m'amènent vers un nœud inconnu qu'on n'a pas encore exploré. Ah non, c'est pas plutôt. Euh, Deux toutes les arêtes vers le nœud inconnu. Choisir celle avec le plus petit coût. Ajouter le nœud qui est atteint. Répéter. Voilà, reviens là-toi. Simple, net, efficace. Donc si je reviens, euh, si je reviens là-dessus, c'est l'algo que j'ai déroulé. Si j'efface, euh... ouais, on va les refaire. Oh là là là, là. Je sais, c'est crade, mais bon. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Oula, ouais, voilà, tu fais comme ça, tu fais un petit virage, toi. Euh, et les poids, euh, ici c'était... Euh, ici c'était... Euh, ah oui, j'en avais un également ici. Euh, J'avais mis quoi J'avais mis 40. Bon, on va mettre 40 et puis merde. On va mettre 40. Toi, t'es 42. Euh, tiens, j'ai un peu changé les choses. Euh, euh, toi... Juste pour la blague, t'es pas à 8, t'es à 5. Juste pour la blague. Voilà. Donc, euh, pour simplifier, je vais numéroter, euh, je vais numéroter mes, euh, mes nœuds. Donc, toi, t'es le nœud 1, le nœud 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Donc, comment on construit je me un arbre de recouvrement minimum vis-à-vis euh, -vis de ça On part euh, d'un truc arbitraire. Donc, euh, vraiment, vraiment euh, complètement arbitraire. Euh, zoom, 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 zoom. Euh, chez qui on va partir Allez, j'ai envie de commencer par le nœud 5. Donc, euh, J'ajoute parmi, les, les, nœuds, euh, euh, parmi les, les chemins potentiels. Pour l'instant, mon arbre, il y a juste 5. Parmi mes candidats potentiels, j'ai 15 qui m'amènent à 1 que je ne connais pas encore. J'ai 30 que je, qui m'amènent à 2 que je ne connais pas encore. 40 ou 50. Vous voyez Je peux partir là, là, là ou là. Et je suis un algorithme glouton. Ça veut dire je vais prendre. Là, tout de suite, le chemin qui coûte le moins cher. Et si à chaque fois, j'avance de moins cher en moins cher, à la fin, globalement, j'aurai le truc le moins cher. Donc, je choisis ce chemin-là. Ensuite, donc dans l'espace de tous les, euh, toutes les arêtes possibles, il reste 30, 40, 50 qui sont des candidats, mais 12 est également devenu un candidat. Et de toutes les arrêtes possibles entre 12, 30, 40 et 50, quel candidat je vais choisir Chacune mène vers une arrête qu'on n'a jamais. Vers un, euh, mène vers un nœud qu'on n'a pas encore traité. Bah, 12 est le plus petit de tous. Donc je vais choisir 12. Il s'avère que là, ça donne l'impression que je suis en train de faire un DFS et que je suis en train de m'engager dans ce chemin. Mais si ça se trouve, euh, après lui, ça aurait été un autre qui aurait été plus petit ou n'importe quoi. Hein. À chaque fois, j'aurais évalué tous mes candidats potentiels, toutes mes arrêtes potentielles. Jusque-là, je prends L. Question est-ce que 30 est encore un candidat potentiel Non 30 n'est plus un candidat potentiel parce que 30 m'amène vers une arête que je connais. J'ai déjà visité deux. 30 ne m'intéresse plus, donc je le retire de la liste des candidats. Qu'est-ce qu'il me reste comme candidat Il me reste 50, 40, mais maintenant j'ai également. 20 et 5. Forcément, qui sait que je vais voir Entre 5, 20, 40 et 50, ces quatre arrêtes me mènent vers quelqu'un que j'ai encore jamais vu. 5 est le plus petit. Donc, je prends le chemin le plus petit parmi tous les chemins qui s'offrent à moi. C'est lui. Du coup, 40 n'est plus un candidat potentiel parce qu'il mène vers 7 et que 7, je l'ai déjà atteint. Donc 40, on l'oublie. Il me reste quoi en candidat euh, Il me reste 20, 25, 42. Qui est-ce que je prends Bien sûr, je prends 20. Ça n'a rien bougé ici. Il me reste en candidat 42, 25 et 8. Je prends 8, forcément. Il me reste 25 et 42. Ah, et 50 aussi, pardon, oui. Il me reste 50 aussi je, à chaque fois. Il me reste 50, 42, euh, 25. 25, c'est le plus petit de ces trois-là. Euh, 8, c'est le plus petit. 37, c'est le plus petit. Et enfin, de 42 à 50, il me reste lui. Et c'est bon, j'ai visité tout le monde. Tout le monde a été atteint. Voici mon arbre de recouvrement. Et cet arbre de recouvrement est minimal. Je vous laisse vérifier que je n'ai pas fait de la merde. Mais normalement, effectivement, euh, c'est bien un arbre de recouvrement minimum. Donc, il a une gueule un peu bizarre, hein, mais parce que lui, c'est la tête. Il a un fils qui lui a deux fils, qui lui a deux fils, et ensuite un... un. Donc, si vous deviez le le redessiner, ça donnerait 1 euh, euh, qui possède 5, euh, qui possède 2, 2 euh, euh, possède 3 et possède 4, 2 possède 7, lui il a la possède 6, 8, 9, 10. Donc voici euh, la... Euh, euh, attendez. Euh, pardon, je me suis embrouillé. Euh, J'ai mis 1 en racine, je suis un idiot. J'ai mis 1 en racine, je suis un idiot, je suis parti de 1, j'étais parti de 5. Donc en fait, euh, c'est plutôt 5 euh, qui possède un fils comme ça. Bon, bon certes, il est pas équilibré, mais on s'en fout, hein. c'est pas un arbre de recherche. Hein. Le but c'est pas de faire un arbre équilibré. Mais... Et ensuite, on a le poids, on a le coût total qui peut être calculé. Et quel est le coût de cette MST Si on suppose combien va enfin, me coûter de faire les travaux électriques pour, euh, pour couvrir toute la ville, ça va me coûter euh, 15 plus 12 plus 20 plus 8 plus 5 plus 25 plus 42 plus 8 plus 37. Je fais pas le calcul, je suis mauvais en calcul mental. Donc il y avait peut-être d'autres arbres de recouvrement euh, minimum, mais en tout cas, lui, ça en était. 1. Alors, il s'avère, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très important de retenir ça, que si tous les poids sont uniques, là c'est pas le cas parce qu'il y a 8 et 8, hein, euh, même si là ça va pas invalider, mais bref, d'une manière générale, si tous les poids sont uniques, chacun chaque nœud a des poids différents, alors il n'existe qu'un seul arbre de recouvrement minimum, mais c'est pas important. Enfin, enfin si, peut-être, je ne sais pas, mais moi je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai réussi à en trouver un, et donc je suis content. Euh, ça, pareil, hein, euh, les arbres de recouvrement, euh, croyez pas, on, on va voir ça, euh, c'est utile en réseau. Hein. Je vois beaucoup de personnes, d'une manière générale, euh, qui se posent énormément de questions en disant, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'en cours d'algo, on se fait chier à faire des arbres, des graphes, à parler d'algo, de targent, de prime, de Kruskal, de, de tous ces trucs machin. Ils disent « Ouais, autant euh, l'algorithme de Dextra recherche le plus court chemin, j'arrive à voir quand je fais un jeu vidéo, j'ai besoin de trouver un bon chemin ou n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on se fait chier avec tous ces algos ?» Et en fait, ces algos, c'est vraiment eux qui font tourner le monde et qui sont vraiment utilisés. C'est juste qu'on ne le voit pas forcément. Mais euh, si je prends juste l'exemple du réseau, euh, c'est un peu le troll que je sors à tous les élèves qui me sortent toujours Oh putain, j'en ai marre des cours d'algo. Euh, heureusement, je vais faire du réseau. Euh, comme ça, je ne fais plus d'algo, je fais plus de code, je fais que brancher des câbles. Euh, louper le réseau, c'est que des algos de graphes. Hein. On passe notre temps à faire des algos de graphes quand on fait du réseau. Euh, les arbres de recouvrement minimum, les recherches du plus court chemin, euh, détecter des arbres de recouvrement euh, pour éviter les cycles, euh, et tous ces trucs-là, euh, on en bouffe à longueur de journée. Alors, je regarde rapidement si vous avez des questions. Comment vous en sortez euh, C'est bizarre, non 50 plus 10 plus 42. Euh, euh, 50 est plus grand que 10 plus 42. Alors, tu penses à quel endroit 50 qui est plus grand que 10 plus 42. Ah oui. Oui, mais oui, si tu prends le 50, tu dois prendre le 42 après. Ici, on ne cherche pas des poids cumulatifs. Euh, à chaque fois, on regarde le prix de juste chaque arête. Il est plus simple que des extras dans ce sens-là. Si tu pars d'abord à gauche, ah ouais, si tu partais sur le 40 euh, au tout début, euh, ouais, du coup, ça se ça, ça serait amené plus cher. Effectivement. Alors, je vois pas de branche 10. Où est-ce que je me suis merdé Où est-ce que j'ai vu un 10 J'ai 15, 12, 30, 40, 52. Je ne vois pas la branche que vous appelez la branche 10. Mais oui, vu que c'est une minimisation, une minimisation euh, globale, euh, forcément, on cherche le truc qui, dans l'absolu, va coûter le moins cher. Euh, on doit... Ah, sur l'ancien arbre. Ah, laissez-moi regarder. Euh, sur l'ancien arbre. Oui. Ah, j'avais effacé les trucs, sans faire gaffe. Ah, c'était peut-être un 10, lui. J'ai peut-être fait gaffe, c'était peut-être un 10, c'est ça euh, Peut-être, mais bon, en tout cas, oui, à chaque fois, pas les, les, je fais pas des poids cumulatifs comme avec des extras. C'est juste, à chaque fois, le poids de chaque arête, je prends l'arête qui coûte le moins cher. Simple, net et efficace. Donc, c'est un, un algo qui est extrêmement simple, Prime, hein, à, à comprendre. À implémenter, il faut représenter cette notion de euh, je le rajoute dans l'arbre il faut rajouter cette notion de j'ai déjà visité et tout ça. Euh, mais vous pouvez partir sur le squelette de Dextra et le coder euh, sans trop de problèmes. Et vous n'aurez pas de problème. Oui, c'est donc sur l'ancien arbre, pardon. Mais oui, vous comprenez que c'est. Euh, on ne doit pas juste minimiser juste la branche c'est une minimisation, effectivement, euh, globale vu qu'à la fin, on veut couvrir tout le monde. Rappelez-vous, parce que moi, mon objectif, c'est ça me fait une belle jambe de dire, euh, écoute, la facture pour couvrir toute la ville, euh, c'est 30 millions d'euros, mais regarde, cette allée-là, elle n'a pas coûté très cher. Euh, ouais, ça me fait une belle jambe, moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix de couvrir toute la ville. Je cherche à minimiser globalement le prix de couvrir toute la ville. Euh, donc, juste pour vérifier que je n'ai pas dit euh, de la merde, euh, on peut jeter un oeil sur l'algorithme de prime qui, je pense, va nous l'exprimer à peu près. Donc, Kruskal, Borufka, blablabla. Bla bla. Et euh, bah, on voit un exemple hein, de... de prime. Euh, J'initialise un arbre avec un seul vertex qui est choisi arbitrairement. J'ajoute un edge de tous les edges qui sont connectés à des vertices qui ne sont pas encore dans l'arbre. Trouver la le minimum weight edge et je le transfère à l'arbre et je répète. Bah ouais, voilà. Prime Super alors euh, voilà, et ensuite, dès qu'il s'agit de l'implémenter, euh, ça c'est vraiment le biais euh, très euh, Cormen, je trouve c'est vraiment l'influence euh, du Cormen, que des algos qui sont à chaque fois super simples conceptuellement sont expliqués avec des trucs, alors... Je fais le tableau des machins et de l'adj EV avec le tableau CV. Ici, il y a plus l'infini et machin. Et tout le monde dit oh là là, les algos sont super compliqués, alors que l'idée est super conne. Et je trouve que c'était à peu près la même avec Bellman Ford et Dijkstra. Euh, je trouve que quand on ouvre le Cormen, euh, l'explication de Dijkstra dans le Cormen et de Bellman Ford dans le Cormen, je fais le tableau des pères et le tableau des précédents et de nia nia nia. Et alors je nia nia nia, alors qu'en fait D'abord, tu l'exprimes comme ça et le concept il est là et c'est super simple. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris l'idée. Le jour où vous avez besoin de le coder, vous regardez comment le coder. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris l'idée. Donc, franchement, ce pseudocode, euh, enfin, rien que je vois ça, blablabla, euh, bla bla, de make you des vertex, qui nia nia nia, puis je, oh là là, là 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 là, genre on a tout compris avec ça, quoi. Donc la complexité, euh, forcément, euh, ouais, ouais, la complexité est logique. Euh, ouais, un, une application, c'est, euh, j'en ai pas parlé, c'est qu'on peut faire des, des générations de, euh, de, de labyrinthe avec, euh, avec ça. C'est assez marrant. Euh, parce que tu. Ouais, c'est assez marrant. Donc on peut faire des, on peut, on peut faire des, des labyrinthes avec ça, drôle. Euh, L'autre algorithme que vous allez voir, c'est Kruskal. Je vais pas plus m'attarder sur Kruskal. Euh, Je sais plus trop comment il marche. Mais euh, lui, euh, vous voyez, il il fait un set qui est, qui est disjoint. Il fait un système un peu comme ça. Euh, bah, est, je crée une forêt où chacun de Vertex est un arbre. On compare de chacun qui est disjoint et à la place, on essaye de les euh, rejoindre. Euh, ils se ressemblent un peu hein, au final. Hein, tous les algos se ressemblent un peu. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas grave. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous en ayez au moins compris un et prime est le plus simple et puis euh, euh, good enough. David, good enough. Euh, voilà, voilà. Donc ça, euh, je pense qu'on a à peu près amongusé que les questions. Je que vous avez encore des questions. Je pense qu'on a à peu près bouclé euh, les arbres de recouvrement. J'ai pas envie d'en parler plus. Euh, je n'ai pas envie de me faire chier à coder en Python euh, l'algo parce que vous l'avez compris. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, ils, voilà, ils disent que Dxtra est très similaire. Ils ont entièrement raison. Hein. Euh, donc je pense que avec votre accord, je pense que nous pouvons euh, cocher cette case. Nous avons fait les MST. Et ce qui fait qu'on va pouvoir revenir sur les arbres et parler un peu de balance. Mais bien sûr, donc avec votre accord, j'ai votre accord a priori, personne n'est en train de hurler, tout va bien. Mais dans ce cas-là, on le fait après la pause. Parce que je vous avoue, je suis en train de mourir. Euh, donc. Euh, on se fait 15 minutes de pause on se voit à 35 allez 15 minutes de pause euh, levez-vous buvez de l'eau blablabla bla, tout ça Je j'ai pas de machine à café chez moi mais il va vraiment falloir que je commence à investir dans une machine à café parce que je suis en train de mourir j'habite pas loin du tout de Bachar mais euh, je vais quand même pas violer le confinement pas, suffis, et pas su, je suis proche de lui mais pas suffisamment proche pour euh, prendre un café le temps d'une pause euh, donc je vais boire beaucoup d'eau et espérer que ça vaut le café Allez, à dans 15 minutes. Ciao, tchou. Ouais, oula, je, je m'embrouille dans mes boutons. Ouh. Ah, fait une petite pause, vous avez bu de l'eau, vous êtes levé, tout va bien. Tout va bien. Allez. Ah. Ah. Parfait, tout va bien. Du coup. Oh là là. Du coup, du coup, ce qui nous concerne, ça va être les arbres. On s'est suffisamment amusé avec les graphes. Retournons sur les arbres. Parce que j'ai besoin de vous en parler. Et on va commencer doucement. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. On va commencer doucement. Et on va, voir, euh, on va voir vers où ça nous mène. Ouais, je reviens tout à la fin. Et on commence euh, à parler donc, de self-balancing. Bien sûr, des arbres, C'est pas juste des arbres de binaire, c'est des arbres binaires de recherche. Hein. Euh, c'est les self-balancing. Ça n'a aucun intérêt de chercher à, à équilibrer des arbres euh, BST, binary search tree. Arbre binaire de recherche, binary search tree. Euh, pourquoi déjà Pourquoi est-ce qu'on veut absolument faire des arbres de recherche euh, équilib euh, équilibrés Parce que rappelez-vous quelle était euh, la feature qui était hachement cool, achement cool euh, des BST. C'est que rechercher un élément, et eh bien ça se faisait. C'était quoi la complexité d'une recherche Rappelez-vous quelle était la complexité d'une recherche On était en O euh, log de N. N étant le nombre d'éléments. Log en base 2, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on était O de log en base 2 Tout simplement parce qu'on dessinait toujours des jolis arbres comme ça. Qu'il est joli, mon arbre C'est moi, je suis en train de partir en couille. Là. Ouais, ouais, je suis en train de partir en couille. Euh. Alors, on respectait... Voilà, c'est voilà, mieux. Qu'il est joli. Euh, et on dessinait toujours un joli arbre comme ça. Et c'est vrai, c'est beaucoup trop bien. Hein. Et effectivement, on disait, il bah, y a combien d'éléments là dans, dans mon... J'ai combien d'éléments J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Euh, euh, J'en ai... Et c'est quoi la hauteur C'est 4. Et comme par hasard... 2 puissance 4 est égal à 16 et 16 moins 1 est égal à 15. Donc en fait le nombre d'éléments, euh, le nombre d'éléments plus 1 était égal à la hauteur maximale. Et donc forcément ça sous-entend que la hauteur est grosso modo plus ou moins 1 euh, euh, le log en base 2 du nombre d'éléments. Et parce que pour chercher un élément, comme à chaque fois je pars à gauche, je pars à droite, je pars à gauche, je pars à droite, à chaque fois que je prends un chemin J'écarte des candidats potentiels toute une moitié des candidats qui restent. Donc, je divise par deux le champ des possibles, je divise par deux le champ des possibles encore restant, je redivise par deux. Et donc, j'ai pas à parcourir tous mes éléments, comme si c'était une liste, mais j'en parcours que log au max. Si je l'ai trouvé avant, je l'ai trouvé ici, je l'ai trouvé là, je suis content. Mais dans le pire des cas, je suis allé ici, et soit je l'ai trouvé, soit je l'ai pas trouvé. Dans ce cas-là, bah, il n'était pas là. Et donc, c'est pour ça qu'on adorait les arbres binaires de recherche. C'est parce que faire une recherche, c'était en complexité logarithmique. Et d'ailleurs, ajouter un élément, c'est également en complexité logarithmique, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est faire comme une recherche, et une fois qu'on est tombé sur une feuille, bah on l'ajoute là. Tout simplement. Euh, sauf que quel est le problème avec ce joli arbre C'est quoi son problème à ce joli arbre là euh, c'est qu'il n'est pas représentatif de la réalité. Qu'est-ce qui se passe si moi, je vous ai donné, euh, vous m'avez codé une superbe structure d'arbre de BST, vous avez super bien codé, le fils gauche, le fils droit, euh, la fonction de recherche, la fonction d'insertion, tout va bien. Vraiment, bien codé, c'est du clean code, vous avez fait les tests et TDD, c'est beau, c'est magique, euh, tout est joli. Vraiment, tout marche bien. Et moi, j'arrive et je dis ah ouais, d'accord alors, moi, j'aimerais euh, que tu m'insères euh, 1. Ensuite, tu vas m'insérer 2. Ensuite, tu vas m'insérer 3. Ensuite, tu vas m'insérer 4. Ensuite, 5, ensuite 6. 7, 8, euh, 9 et 10. Ah, bah, euh, ok. Euh, ok, on va insérer ça. Alors, euh, euh, bah, d'abord, j'ai rien, donc je mets 1. Ensuite, 2 est plus grand que 1, donc je vais à droite. Ensuite, 3 est plus grand que 1, donc je vais à droite. Et ensuite, ah. Euh, Ensuite, oh, dis donc, oh, le joli arbre, oh, le joli arbre, mais dis donc, c'est pas un arbre, ça, c'est une liste. Allez, peut-être que je peux être gentil et glisser à un moment, je fais un gap, et peut-être qu'à un moment, vous avez, euh, vous avez un truc un peu plus gentil, parce que par exemple, j'ai pas fait 3, 4, j'ai fait 4, 3, et vous avez un tout petit truc ici. Mais en gros, vous avez, euh, vous avez un peigne, quoi. En gros, votre arbre, il ressemble à ça. Ou bien dans l'autre sens, quoi. Vous avez un peigne. C'est ce qu'on appelle un arbre de recherche dégénéré. Il est dégénéré, euh, ce pauvre arbre de recherche. Parce qu'il est loin de ses propriétés originelles et il a dégénéré et euh, au fur et à mesure il a perdu ses propriétés initiales d'insertion en insertion. Euh, C'est pas cool. Et parce que dans le pire des cas, on se retrouve carrément dans le cas d'une liste, et du coup, bah qu'est-ce que redevient euh, la, complexi la complexité de mon algo euh, Bah ça redevient du linéaire. C'est dommage. C'était bien la peine, c'est dommage. Oups. Zut, flûte et mute, euh, on a un problème. Et je pense qu'on ne peut pas avoir comme solution le fait euh, de dire au client, bah, tu sais quoi, quand tu dois m'insérer des éléments, tu me, les insères, euh, euh, tu me les insères dans le bon ordre qui va bien pour maintenir mon arbre. Il va me répondre, connard, t'es sympa, c'est toi qui t'occupe de les mettre dans le bon ordre, euh, je ne peux pas savoir à l'avance ce que je te donne à manger. Donc euh, si, si, si c'est moi qui dois connaître l'ordre, pourquoi je t'utilise Donc non. Comment on va faire ça il va falloir faire des arbres auto-équilibrés. Et qu'est-ce que vont faire ces arbres auto-équilibrés Ils vont se surveiller. Et à chaque insertion, ils vont se surveiller et chercher à se rééquilibrer. Et comment ils vont se rééquilibrer Il n'y a pas de miracle. Ils vont faire ce qu'on appelle des rotations. Alors, comment représenter une rotation Il y a. Je ne vais pas rentrer, j'ai pas envie de faire toutes les rotations avec vous parce que c'est moins chiant. Il y a quatre rotations les rotations gauche-gauche, gauche-droite, gauche droite-gauche, droite-droite, blablabla. Bla 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 bla. Je vous en montre quelques-unes d'exemples de rotations qu'on peut avoir. Euh, un premier exemple de rotation, ce qu'on appelle la rotation droite. Euh, Euh, la rotation droite euh, est-ce qu'on parle, est qu parle de la rotation droite ou de la rotation gauche j'ai un doute de la terminologie c'est trouve celle que je vais décrire ça s'appelle la rotation gauche est-ce qu'on appelle la rotation droite celle qui rééquilibre vers la droite ou celle quand je suis trop déséquilibré à droite je vous avoue j'ai un trou je sais plus euh, j'ai envie de l'appeler euh, mais en gros vous allez une situation où vous allez avoir par exemple euh, 4, euh, 5, euh, 6 par exemple vous allez avoir un truc comme ça et vous voulez rééquilibrer, et en gros, si vous voulez, vous allez tirer ce 5 vers le haut. Parce que, et, euh, et transformer ça en 1, bon, c'est surtout apparent quand vous allez avoir un truc comme ça. En vrai. Mais en gros, ce que vous allez faire dans ce cas, si vous avez ce déséquilibre, on va, on va tirer le 6 pour bien faire apparaître la, 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 la différence. Je ne vais pas faire tirer le 7, je vais faire tirer le 6. Euh, on va le tirer vers le haut comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, faire plutôt un système où on a encore euh, 4 et 3, mais à la place, ce qu'on a, c'est 5 et 7. Donc vous voyez la rotation qui a été faite euh, ici au niveau de, de 5, 6, 7, où j'ai pris cet élément et je l'ai tiré vers le haut, il s'est raccroché lui-même au père et lui est devenu un fils. Vous cette forme de rotation qui a été faite. Et bref, il y a plein de systèmes de rotation qui vont bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait toutes les rotations. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus euh, parce que je ne vais pas vous faire l'affront de vous coder des rotations parce que putain, on en a pour des heures et des heures et des heures d'écriture de code si on doit écrire le code. Les, les algos d'arbres équilibrés, euh, ce n'est pas les plus compliqués à comprendre. Il y a des éléments qui sont un peu touchés à comprendre, mais ça va, on s'en sort pour comprendre. Mais par contre, à coder, c'est long, laborieux et chiant parce qu'il y a plein de cas particuliers. Il y a quatre formes de rotation différentes qu'il faut coder, blablabla. Bla bla. Je me rappelle des, des, des couleurs d'algo. On avait deux tableaux entiers qu'on écrivait en pseudocode. L'écriture de, de l'algo d'équilibrage d'un arbre. Oh là 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 là, là, là. Enfin, Comprenez l'idée, c'est largement, largement suffisant. Je ne vais pas vous faire l'affront de coder ça. On va vraiment se tirer une balle et on va se faire chier. Sauf si vous me dites oui, 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 je veux voir le code, oui, 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 je veux voir le code. Et dans ce cas-là, je verrai ce que je peux faire. Euh, tout va bien Non, bah, bah, tout va bien. Hein. Personne ne parle, donc tout va bien. Je. Oui, je suis bien, je vérifie vais... que j'étais bien zoomé tout en bas. Oui. Je suis bien zoomé tout enfin, je suis Enfin, bien... je suis bien scrollé tout en bas. Hein. C'est ce que vous n'avez pas encore parlé. Donc, euh... voilà le système de rotation qui va être la clé. Des, euh, de, de ces arbres-là. Mais il y a plusieurs manières de, de faire ça. Je vais en parler de quelques-unes. La première dont je vais parler, et je vais en parler de la manière vraiment chrono-chrono, c'est -chrono, on va parler des arbres AVL. AVL, c'est un acronyme euh, des noms des personnes. Il me semble qu'il y a AO ou Wackerman derrière, je ne sais plus. On va Google, AVL Tree. Adelson Velsky, Landis Voilà un self-balancing binary search tree. Euh, L'algo est super simple, vous voyez, bah, vous voyez la rotation ici, hein. regardez. Euh, je sais pas Pourquoi, pourquoi réécrire un truc que Wikipédia vous montre très très bien hein. Effectivement, donc il appelle ça une rotation à gauche, donc je me suis trompé. Voilà, vous voyez la rotation qu'il est en train de faire. Et là, c'était la rotation gauche-droite. Je vous ai parlé de la rotation un peu bizarre. Il va montrer une rotation droite-gauche. Ouais. Euh, voilà, c'est juste que c'est chiant. Mais en gros, voilà ce que fait l'arbre. Voilà on va plutôt parler du principe général, de quand est-ce qu'il faut faire la rotation, les types de rotation, et on ne va pas trop coder. Euh, rapidement, euh, comment on fait un, un AVL Un AVL, le concept est vraiment, vraiment, vraiment giga simple. C'est juste que dans notre superbe structure de, de node, euh, rappelez-vous, on avait un, euh, un euh, struct node, euh, euh, où on avait un euh, struct node left, struct node right on va dire une valeur en, en int. Euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker la taille, vous voyez, c'était les petits euh, numéros qui sont marqués là, qu'on appelle le balance factor. Et le balance factor, c'est le delta des hauteurs. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais appeler le balance factor. Et qu'est-ce que c'est que ce balance factor Le balance factor, il se calcule euh, assez simplement. Le balance factor, c'est la taille du fils gauche moins la taille du fils droit. Ou bien la taille du fils droit moins la taille du fils gauche, hein, euh, ça revient au même. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la différence de taille. C'est le delta de taille. Attends. Oh là là. Allez, reviens là. Non. Il est chiant, lui. Regardez. Ouais, je m'amuse. Excusez-moi. Voilà. Euh, le, le balance factor, c'est la différence. Alors. Euh, que vous utilisez left ou gauche ou gauche ou left, on s'en fout, euh, ça revient au même. Mais pour vous donner un exemple, euh, si je prends un exemple, euh, ici je vais avoir par exemple bah, une racine qui est vide, euh, enfin un nœud qui n'a pas de gosse, une racine qui est toute seule. La taille de son, gosse, de son fils gauche, bah, c'est zéro, hein, la taille d'un. Son fils gauche n'existe pas, donc la taille, euh, taille d'un truc nul, c'est 0. La taille d'un truc droit, c'est 0. La différence entre les deux, c'est 0. Maintenant, j'ai décidé d'ajouter, donc là pardon, j'avais l'élément euh, 42, j'ai décidé d'ajouter l'élément 51. Comment on calcule euh, le balance factor, on le fait récursivement. Donc je pars euh, du bas. Je pars du bas et je remonte. 51, c'est quoi son balance factor euh, C'est 0. Il y a pas de fils gauche, pas de fils droit. Donc 0, 0, lui c'est 0. Par contre, quand on remonte ici, c'est quoi la taille C'est quoi la taille euh, de mon fils droit C'est une taille de 1, certes avec un balance factor de 0. Certes, tu as un balance factor de 0, et c'est important de le noter, mais ta taille, c'est une taille de 1. Pas bien et donc, du coup, toi, à gauche, ta taille, elle, elle, est, euh, elle est à zéro. Et donc, le balance factor, la somme des deux est de, ici, vu que j'ai fait gauche avant droite, est de moins 1. Ou parfois, vous le verrez à 1, selon qu'on vous faites droite moins gauche, gauche moins droite, on s'en fout, c'est exactement la même chose. Mais donc, moi, mon balance factor est de moins 1. Ça va. c'est pas choquant. Si jamais euh, je peux rééquilibrer tout ça, j'ai le droit d'avoir un balance factor à... Euh, moins 1, 0 et 1, c'est ok. J'ai le droit d'avoir mon fils gauche qui penche un peu plus, mon fils droit qui penche un peu plus. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici Si là, je mets 48, par exemple. Ici, le balance factor est à 1. Mais surtout, le balance factor ici, à la racine, est de moins 2. Parce que la différence entre les deux tailles est de 2. Donc 2 ou moins 2, on s'en fout. En tout cas, en termes de valeur absolue, c'est 2. Égal, pas bien, nécessité de rotation et blablabla, on fait les rotations et ensuite euh, les AVL c'est super compliqué parce qu'il faut euh, selon X cas particulier où je dois voir euh, je dois remonter ici pour savoir c'est quoi la nature de ce truc là et de savoir c'est quoi son balance factor à lui de blablabla de machin pour savoir parmi les quatre rotations possibles entre gauche, droite, gauche droite, droite gauche, laquelle je vais faire et remonter récursivement en euh, répercutant les euh, en répercutant, euh, les balancing. Les AVL sont réputés pour être absolument infâmes. Les AVL, ils sont réputés pour être super simples à comprendre de loin. Genre, j'ai un balance factor et comme mon balance factor est pas bien, je rééquilibre. Mais le diable est dans les détails. Les AVL, ils sont réputés où dès que tu commences à creuser et que tu veux commencer à l'implémenter, tu te tires une balle. Tu te Tire une balle complètement, parce qu'il y a quatre différentes manières de rotationner, de machin, et blablabla. Et quand même, toi, tu arrives à la comprendre, à l'exprimer en code, c'est super compliqué, c'est super chiant. Euh, les AVL sont vraiment euh, maudits. Euh, vous verrez assez rarement de nos jours des implémentations d'AVL. De nos jours, les AVL n'ont plus le problème de perf ou de complexité qu'ils avaient avant parce que c'était retravaillé et tout ça. Mais pendant très longtemps, les AVL c'était vraiment un truc maudit, ce qui fait que euh, la plupart des implèmes vont voir une autre manière de balancer les arbres que faire des AVL. Mais comme euh, les propres intégrants vu les AVL et que tous les bouquins parlent quand même des AVL, je voulais prendre un tout petit peu de temps pour vous en parler donc ça c'est la VL. Euh, si vous voulez on peut regarder ensemble ce que dit la page Wikipédia regarder ensemble ce que dit euh, des bouts d'exemple, mais vous allez voir que c'est euh, giga laborieux donc euh, on a un balance factor alors ouais euh, le balance factor euh, bah, il le joue carrément sur la taille ouais, la définition récursive euh, ils l'ont fait carrément sur la taille ça se fait aussi euh, l'invariant qui est ici et euh, on est left heavy, right heavy euh, moi j'ai fait right, moi, ils font right moins left tu fais left moins right ça revient au même et en gros, searching et dans l'insertion. Euh, voilà. Le balance factor, euh, les rotations. Et bien sûr dans le code, il y a marqué rotate left, rotate right left, euh, rotate left right, rotate right. Et chacune de ces trucs-là, euh, c'est des rotations avec le code des rotations. Euh, c'est hardcore. Donc ça, honnêtement, euh, je vous cache pas que j'ai des... Euh, j'ai des flashbacks Vietnam de ça. Hein. Je vais être honnête avec vous, euh, j'ai vraiment des flashbacks Vietnam euh, de mes cours d'algo. Euh, j'ai juste pas envie d'en parler. Genre, j'ai juste pas envie d'en parler quoi. C'est méga chiant, méga laborieux, c'est long, c'est du long code comme ça qui est incompréhensible. Et t'as merdé un truc et tout est cassé. Euh, et tu passes ton temps à faire des machins. Euh. Enfin, les AVL, c'est les AVL, c'est le diable. Je ressentais que les AVL, c'est le diable. Comprenez l'idée qu'il y a un balance factor qui se propage, qui est fonction, euh, qui est fonction de la hauteur. Donc, soit vous le faites, euh, vous le recalculez comme moi j'ai fait juste en stockant le balance factor, soit pour le calculer, euh, vous le vous recalculez par rapport à la taille. Euh, C'est deux implèmes différentes. Mais en gros, grosso modo, vous avez votre balance factor comme ça. Et, euh, et vous faites les rééquilibrages. Enfin, vous avez compris ça, euh, vous avez compris ce qu'il y a à comprendre. Euh, ce n'est pas comme si euh, nos prépa intégrées avaient retenu plus sur les AVL et ce n'est pas comme si de la vie vous ferez les AVL. Honnêtement, c'est good enough. Quoi. Comprenez rapidement le système de rotation parce qu'on va devoir refaire des rotations dans d'autres. Euh, mais là, les rotations, on les fera de manière plus, euh, plus soft. Euh, je ne vous ai pas trop fait peur en disant ça. Non, tout, tout le monde, tout, tout le monde euh, continue à ne pas parler et à écouter sagement. Vous prenez gentiment des notes sur les AVL, alors que je vous dis que les AVL, c'est de la merde. Non, je déconne. Euh, mais ouais, non, mais ouais les AVL, c'est... Non. C'est pas que c'est de la merde, les AVL. C'est que... C'est pas pour moi que la plupart des implèmes, c'est du red-black. Bref, euh, j'ai pas envie de parler plus des AVL. Voilà. J'ai pas envie de parler plus des AVL. Euh, je suis un traumatisé. Je vous prie de, de respecter mon traumatisme. Euh, à la place, on va parler d'autre chose. J'ai mentionné les AVL. Euh, euh, à la place, mon objectif, ça va être à terme de parler euh, d'une autre technique d'arbre équilibré qui s'appelle les arbres rouges noirs. Mais je vais y passer par un chemin détourné. Je vais passer par un chemin détourné pour vous présenter les arbres rouges noirs, parce que je ne vais pas d'abord parler des arbres rouges noirs, je vais d'abord vous parler d'un autre format d'arbre qui, spoiler, vous le devinez, en fait sera isomorphe au red-black, mais ce premier format d'arbre est euh, beaucoup plus simple à comprendre et surtout ouvre euh, le pas vers une généralisation qui est euh, extrêmement intéressante. Donc je ne vais pas tout de suite parler des arbres rouges-noirs, c'est bizarre, hein on va faire un détour. Faisons un petit détour avant de parler des arbres rouges-noirs. Et quel détour allons-nous faire Le détour que je vais vous faire, bah, on va parler d'un arbre qui a un nom absolument chelou. Je ne vais pas vous d'abord vous donner son nom d'ailleurs. Rega regardez, je vous, fais, je vous fais un arbre super chelou. Je vous fais un arbre super bizarre. Euh, regardez, oh là là, comme c'est joli. Euh, 42, euh, ouais. Euh, ah ouais, et puis là, j'ai 30. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, oh, et puis là, j'ai euh, 51. Euh, là, c'est trop bien. Euh, et puis... Eh, hey, 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 regarde, euh, j'ai une idée. Euh, j'ai une idée, elle est peut-être un peu débile, mais... Euh, imagine, viens, euh, en fait, il y a deux valeurs dans ce nœud, en fait. En fait, ce nœud-là, il euh, n'y a pas une valeur... Il y, a deux, euh, il y a deux valeurs. Ok. Quoi yeah. What the fuck bah Attends, mais bah du coup, euh, euh, j'ai pas deux fils. Euh, j'ai trois fils. Euh, j'ai un fils là, j'ai un fils là, et j'ai un fils là. Et lui, il est plus petit que lui. Lui, il est entre 30 et 38, et lui, il est plus grand. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce, Qu -ce, que que ce... ce boxon À quoi ça sert Pourquoi tu es en train d'inventer une stupidité comme ça non, Parce que surtout, est-ce que je gagne en complexité Bah non. Euh, parce que peut-être que je descends moins dans l'arbre. Mais bon, parcourir les éléments dans l'arbre, au final, c'est... Je fais autant de parcours, hein, au final. C'est exactement la même chose. À quoi ça sert ton truc Qu'est-ce que tu es en train de me raconter Qu'est-ce que tu es en train de me raconter Donc là, par exemple, je pourrais avoir euh, 25... Ici, j'aurais 35, j'invente un truc. Euh, ici, j'aurais un truc qui est entre 38 et 42, j'aurais 40, par exemple. Ça, ça s'appelle un arbre 2-3. Parce qu'en en fait, il euh, bah, y a les arbres binaires qui ont deux fils. Il y a les arbres ternaires qui ont trois fils qui sont comme ça. Ben lui, c'est un arbre 2-3 parce qu'il y a certains des nœuds qui sont binaires, certains des nœuds qui sont ternaires. Attention, ici, 2 et 3 représentent à chaque fois le nombre de fils pour chaque nœud. Donc ça veut dire un arbre 2-3, il a des nœuds avec un, un élément et des nœuds avec deux éléments. Et vous savez quoi Je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Parce que euh, d'ailleurs, ceci n'est pas un arbre de 3 valide hein, en fait. Cet arbre n'est pas du tout valide. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'avère que par construction, un arbre de 3 est toujours équilibré très exactement. Donc en fait, il y a une violation au niveau de, au niveau de la création. Normalement, j'aurais dû les éclater, les remonter et tout ça. Donc ici, c'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Euh, c'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Euh, mais je vais l'équilibrer tout de suite en montrant une autre, un autre arbre qui est, attention, euh, particulièrement euh, euh, what the fuck. Non mais ça va, ça va, j'ai compris. Non, non, mais c'est pas what the fuck, ça va, j'ai compris. Ok, super, euh, tu peux avoir deux nœuds dans un truc. Non, non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Ah Et combien t'as de gosses, toi j'ai plus trop de place. Euh, on va le mettre là. Bah toi, t'as 4 fils. Toi, t'es entre... Allez, toi, t'es à 48. Toi, t'es à euh, 55. Et peut-être que eux-mêmes ici, ils peuvent avoir plusieurs... Euh, sur les feuilles, ils peuvent avoir plusieurs éléments. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après. Euh, euh, 72. Et euh, 90. Donc voici un exemple de. Euh... Et lui, comment il s'appelle cet arbre Comment il s'appelle cet arbre où euh, les nœuds peuvent soit avoir deux gosses, trois gosses ou quatre gosses Et bien lui, il s'appelle un arbre 2-3-4. Donc ceci est ce qu'on appelle un arbre. 3, 4. Et je pense que la question que vous êtes en train de vous poser, c'est j'arrive à comprendre. C'est pas compliqué. Mais why Pourquoi Qui c'est qui s'est dit que c'était important de faire ce truc-là What the fuck euh... De toute façon, tout le temps que tu es censé gagner en termes de descente dans les nœuds, tu l'as perdu parce que euh, tu, dois, euh, tu dois parcourir là-dessus, donc ça me fait une belle jambe. Donc au final, euh, euh, ouais, peut-être qu'ici je descends que de deux niveaux, mais si c'est pour faire tchac, 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 bah au final, euh, j'ai fait euh, c'est comme si j'avais fait quatre niveaux. Hein. À quoi ça sert euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que ce boxon euh, Au secours, que se passe-t-il euh, Ma vie n'a plus de sens Blablabla. Bla 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 J'y viens. D'ici là, je vois si vous avez des questions. Ah, bah, l'arbre de 3 4 il avait bien vu que ça s'appelle l'arbre de 3 4 tout à fait. Eh bien, il s'avère que. Alors, ça marche aussi avec les arbres 2-3, euh, mais je vais passer par les arbres 2-3-4, euh, parce que c'est plus simple à expliquer. En fait, historiquement, on l'a d'abord vu avec les arbres 2-3-4, et c'est euh, genre euh, 10 ans après ou 15 ans après que ça a été vu de les arbres 2-3. C'est assez récent. Je crois que c'est 2011 le fait qu'on a vu qu'on le faisait bien avec les arbres 2-3. Euh, mais on va surtout parler des 2-3-4, là, du coup. Il s'avère qu'on peut se servir de cette technique pour faire des arbres équilibrés d'une manière super simple conceptuellement. Et que par construction, un arbre 2, 3, 4 est toujours équilibré. Toujours, toujours, très, très, très bien équilibré. C'est euh, super simple. Il y a juste quelques règles à faire. Euh, et je vais insérer au fur et à mesure pour vous montrer. On va supposer que j'ai envie d'insérer euh, les éléments pareil comme avant euh, 1 2 3 4 5 6 7 8 D'abord, j'ai rien donc j'ajoute 1 Voilà, excusez-moi, j'ai toujours des gros doigts. Et lorsqu'on ajoute un nœud dans un arbre de 3 4, lorsqu'on ajoute un élément, on l'insère Toujours en feuille. Donc ici, je cherche à l'insérer. Euh, ici, c'est une feuille. Donc, comment je vais l'insérer euh, Je vais l'insérer... Alors, il me semble que on va d'abord l'ajouter comme ça. Ensuite, l'ajouter comme ça. Et il y a une règle d'or. Euh, comment on fait On garantit que quand on insère, c'est toujours en feuille c'est que lorsqu'on descend dans les feuilles pour faire une insertion, on est des gentils boy scouts, et on va splitter les nœuds, mais de manière préemptive. Si au moment de ma descente, je tombe sur un nœud qui possède trois éléments, on va splitter ce nœud. Et comment on fait pour splitter On pique l'élément du haut, du milieu, pardon, et on le ramène plus haut. Donc, ici, comment je fais ça J'efface euh, ça. J'ai pas encore inséré numéro 4. J'ai pas encore inséré numéro 4. Mais pendant que je cherchais à insérer numéro 4, je suis descendu, je suis tombé sur un nombre, sur un nœud à trois éléments. Et je l'ai splitté. J'ai piqué celui du milieu et j'ai fait ça. 1, euh, pardon, et 3. Super, donc je reprends où est-ce que j'en étais. Ah, 3, et maintenant je peux l'ajouter. Je cherche à ajouter 5. Ah, mince, je veux ajouter 6, j'arrive ici, je suis tombé sur 3 nœuds, donc je vais splitter celui du milieu et je le remonte plus haut, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir Ici plutôt. Regardez, je fais monter le 4 ici. Il y a toujours le 3 qui est là. Et le 5 est apparu ici. Vous voyez le principe, le split préemptif pré Au moment où je veux insérer, je dois descendre en feuille. Et sur le chemin, si jamais je tombe sur un, je tombe sur un nœud à trois éléments, je le split en prenant l'élément du milieu, en le ramenant en haut, et les deux éléments, je les rajoute comme ça. Donc forcément, rajouter 6. Bon, là, j'ai à que à droite, mais vous pouvez ajouter à des manières plus intéressantes. Et vous allez voir qu'à tout moment, euh, notre arbre est 100% équilibré. Et toujours, toutes les feuilles sont très exactement au même niveau. Ça arrive à suivre. Euh, oui, cette technique marche uniquement sur l'arbre 2-3-4. Je ne vais pas parler de l'implème pour l'arbre 2 3 4, euh, pour la raison très bête qui est que je ne la connais pas par cœur, je la connais pas. Euh, je sais que moi, quand je l'ai appris en cours, on avait, on avait parlé uniquement des 2-3-4, et c'est après que j'ai appris que, euh, en fait, parce qu'on va voir hein, que vous avez compris euh, vers quoi je vous amène, les arbres 2-3-4 sont complètement isomorphes aux arbres rouge noirs et on peut un faire un mapping de arbres rouge-noir vers arbres 2-3-4, et c'est seulement des années plus tard, je crois c'est en 2011, euh, qu'il y a eu des papiers de recherche qui ont montré qu'on pouvait qu'ils étaient également isomorphes aux arbres 2-3. Et donc, c'est pour ça que dans la plupart des littératures, la plupart des bouquins, et dans la merde, moi je l'ai appris pour être honnête, euh, pour amener aux arbres de, de rouge-noir, on parlait que des arbres de 3-4. Et donc, j'ai jamais trop étudié les arbres de 3 par savoir comment ils marchent. Leur algo, ils ont également un autre algo. Il ne doit pas être hyper compliqué, on peut le regarder ensemble. Euh, mais euh, on peut le regarder ensemble si vous voulez on va voir à quoi ça ressemble mais euh, en gros j'imagine que moi je le connais pas mais on peut le découvrir ensemble j'aurais pu le réviser avant mais je vous avoue j'ai déjà fait une nuit blanche pour préparer le reste bah découvre-le ensemble c'est intéressant alors déjà je suis tombé pendant la pause sur un site que j'ai trouvé assez intéressant euh, qui est un site de visualisation des 2-3-4 sur l'éducative et euh, du coup je voulais euh, je voulais vous le montrer parce que plutôt que de dessiner des conneries euh, on peut regarder. Donc 1, 2, 3, 4, chaque nœud stocke jusqu'à 3 valeurs. Et regardez, comme j'ai dit, toutes les feuilles sont euh, au même niveau. Il est parfaitement balancé. Les nœuds internes peuvent avoir 2, 3 ou 4, avec les 2 nodes, les 3 nodes, les 4 euh, Un leaf note peut avoir 2, 3 ou 4, mais pas de gosse. Ben, C'est une feuille. Euh, ça oui, on s'en fout. Donc, regardez pour de la data ici. L'insertion de l'animation, ils vont l'expliquer juste après. Mais regardez ce qui se passe. C'est d'abord, j'insère 3. Bon, bah, il est tout seul. J'ai envie d'insérer 1. Bon, bah, je le mets ici. Hein. En, en pseudo-code, sans et tout le pseudo-code, vous comprenez l'idée. Vous avez dit que le 5, on va le mettre là. Hein. Parfait. Et là, le 4, qu'est-ce qui va se passer Sur la descente, il va dire euh, « Hop, hop, hop !»« Hop, hop, hop !»« Dis donc, ne à 3 va falloir péter ça. » Donc je sais déjà ce qu'il va nous faire. Il va nous extraire le 3, il va nous le mettre en haut avec le fils euh, 1 et 5. Et il va nous mettre 4 euh, en voisin de gauche du 5, qui sera le fils droit de 3. Bref, voilà. Regardez bien ce passage. Au moment de la descente de manière préemptive, donc attention, c'est un split préemptif. C'est avant d'avoir inséré. D'abord je split. Après, j'insère. Donc, d'abord, je split parce que, hop hop hop, je suis tombé sur un nœud à 3. Je me suis retrouvé avec 3 ayant comme gosse 1 et 5. Et ensuite, tranquillement, j'ai inséré le 4 ici. Le 2, il va se retrouver là, pas de problème. Le 9, il va se retrouver là, pas de problème. Le 10, au moment où il va descendre ici, hop hop hop, hop, hop nœud à 3. Enfin. Ils appelleraient ça un 4-node parce qu'il a 4 gosses, mais moi je dis le nœud avec 3 éléments. Quoi. Donc avant d'insérer le 10, il va splitter ce nœud-là. Le 5, il va remonter ici, vous devinez. Donc attention, hein. quand on split comme ça, il n'y a pas 4 et 9 qui refusionnent. Hein. 4 et 9, ils restent séparés. Parce qu'il euh, y a 4 en fils gauche de 5, 9 en fils gauche de 5. Et, 3, et le nœud 3, 5 aura le nœud 1, 2, le nœud 4 et le nœud 9. Et ensuite, j'ajouterai 10 en voisin de droite. Voilà, vous voyez. Le 8, il va se retrouver ici, pas de problème. Le 7, allez. Du coup, je vous laisse quelques secondes. Qu'est-ce qui va se passer pour le 7 Je vous laisse deviner. Qu'est-ce qui va se passer pour le 7 Le 7, on va aller ici. On va splitter. Euh on va splitter ce nœud-là en amenant le 9 plus haut, en ayant 8 et 10. Et ensuite, on va placer au bon endroit. Bam. Et le 6, tranquillement, on l'insère là où il faut. Ah, il m'a pris par surprise le 6. Oui, j'ai oublié. Je, je regardais tellement ceux du bas. Euh, c'est pas pour rien, il a bien pensé à tout. Regardez maintenant ce qui est intéressant. C'est que euh, pour garantir la, la, la propriété euh, d'équilibrage, maintenant, c'est ma racine qui a trois éléments. Donc c'est pas grave tant que je ne cherche pas à insérer de nouveaux éléments, mais maintenant quand 6 veut être inséré, je vais devoir descendre, mais... Whoop, whoop, op op, ma racine. Trois éléments, je vais devoir splitter. Et donc je vais sortir 5 comme nouvelle racine, avoir 3 et 9, et ensuite je vais insérer. Et je reste toujours parfaitement équilibré. Donc vous voyez l'algo Il est peut-être chiant à écrire en code mais conceptuellement il est super simple à faire sur papier il faut juste respecter les règles se rappeler du, truc, du, du split qui est préemptif blablabla euh, bla bla. donc comment en fait ça représente en fait, euh, pour faire un 2-3-4 hein, vous pouvez euh, vous pouvez hardcoder euh, le fait d'avoir fils gauche fils milieu fils droit euh, d'avoir machin ou bien vous faites un tableau hein. euh, vous faites un tableau euh, d'éléments et un tableau de gosses tout simplement. Euh, oui, bah. Ça, c'est la représentation interne du truc. Hein, euh, je vous apprends rien. Euh, la recherche, euh, bah, la recherche, est, on peut difficilement faire euh, plus con. Mais euh, l'insertion, retenez juste. Voilà, les éléments, on les insère dans les feuilles. Et la, le Leaf node n'a jamais trois éléments parce qu'on fait un split préemptif. On n'accepte jamais de tomber sur un, nœud, sur un 4 node, un nœud avec trois éléments. Je vous rappelle un 4 node. Un 4 node, c'est un nœud avec quatre gosses. Donc ça veut dire que c'est un nœud avec trois éléments. Euh, et si j'en rencontre un pendant mon truc, avant d'insérer, je le split. Et le split, euh, bah, vous le voyez ici. Hein. On prend l'élément du milieu, on le ramène plus haut et ça fait plusieurs gosses. Et ensuite, on l'insère. Euh, voilà. Euh, il change les trucs ouais mais bah, il... voilà bah, il est en train de montrer exactement ce qui se passe euh, la délétion elle est chiante je vais pas trop en parler ouais si je devrais en parler ouais non moi ce qui m'intéresse c'est surtout parler de ça donc ça euh... ouais ensuite il y a quand même moyen de parler euh, là dessus mais euh... Euh, voilà c'est c'est super facile à comprendre mais c'est chiant à implémenter et voilà, et en fait, les red blacks sont une isométrie. Donc, on va revenir après. C'est pour ça que pour parler des red blacks, on commence par parler des. Euh, on commence par parler des. Euh, euh, des 2, 3, 4. Euh, ça va pour vous Ouais, incroyable ce qui a pensé ça. Ouais, tout à fait. Alors, juste, j'étais curieux, vu qu'il y avait la question euh, les arbres 2, 3. On peut regarder ensemble. Euh, les arbres 2, 3 que j'ai regardé rapidement. Euh. Ouais, on peut faire temporairement un 4 nœuds, mais jamais machin. Donc un 2-3, il y a juste ça. Euh, L'opération d'assertion, on va y voir à quoi elle ressemble. Euh, J'ajoute un 2-node. Donc là, j'ai fait un 3-node. Je bouge euh, le middle en haut et je resplit. Ok, en fait l'algo a l'air un, euh, un peu similaire. L'algo a l'air un peu similaire au, euh, au 2-3-4. Et il s'avère que voilà, euh, au niveau des arbres rouges noirs, je vais revenir après sur les arbres rouges noirs. Euh, mais il s'avère que voilà, il y a une analogie avec les arbres 2-3-4. Et il y a un papier, il faut que je le retrouve, mais qui dit qu'en 2011, on a montré que c'était également, euh, je crois, c'est 2011 de mémoire, mais que c'était également euh, similaire au 2-3. Mais ça, on l'a vu qu'après, que c'était similaire au 2-3, de mémoire. J'espère que je ne dis pas de la merde, mais de mémoire, on l'a vu euh, plus tard. Euh, bref. Bref, bref, bref. Euh, tout va bien pour vous Ouais. Donc. Euh, on a vu qu'on euh, qu avait les arbres euh, 2, 3, 4. Donc, je reviens sur les arbres 2, 3, 4 euh, euh, sur Wikipédia. Les arbres 2, 3, 4, on les a vus, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et donc du coup, c'est une isométrie des rouges noirs, comme on l'a dit. Et bah du coup, allez, lançons-nous sur les rouges noirs. Lançons-nous sur les rouges noirs. Alors... C'est pour ça que je voulais passer par euh, les 2, 3, 4 parce que sinon, quand on vous présente les arbres rouges noirs sans vous parler de ce travail préalable, sans vous parler de cette construction préalable, ça vous paraît la chose la plus what the fuck de tous les temps les arbres rouges noirs. Les arbres rouges noirs, on a l'impression que c'est un jeu de contraintes complètement arbitraire et complètement mystique. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Et il s'avère que si ces règles sont respectées, alors l'arbre est équilibré. Euh, ce qui est super chelou. Mais en fait, quand on comprend que le but est de mimiquer les arbres euh, 2, 3, 4, ça devient beaucoup, beaucoup plus simple. Toujours, ouais, c'est bon. Je, je regarde toujours un peu euh, parce que je sais que c'est les points où il y a généralement beaucoup de questions. Euh, voici les, les règles, les propriétés d'un arbre rouge-noir. Chaque nœud. Et, je zoome un tout petit peu, chaque nœud est soit rouge, soit noir. C'est pour ça que ça s'appelle un arbre rouge-noir. La racine est noire. Très bien. Toutes les feuilles, en fait, c'est pour les calculs, nous considérons qu'un élément vide, euh, un élément vide, quand un fils est, est vide... On le considère comme noir. Ce sera utile pour les calculs parce que parfois, euh, il y aura des gens qui devront se poser la question, par exemple, à un moment, si ça a besoin d'être équilibré, il dira quelle est la couleur de mon frère et, euh, ou de, et par exemple, parfois, ce gosse-là, s'il a besoin d'être équilibré, il dira euh, quelle est la couleur de mon oncle Et donc, en fait, euh, pour calculer, par exemple, lui, son oncle ce serait 27, de lui. Mais on, pour les calculs, on considère que si jamais il n'y a personne, on considère que c'est noir. C'est ça que dit cette règle. Euh, si un fils est rouge, euh, alors ses enfants sont noirs, effectivement. Euh, vous le verrez également parfois euh, représenté sous la forme il ne peut pas y avoir deux rouges à la suite. Il ne peut pas y avoir deux rouges à la suite. Parce que les fils d'un rouge sont forcément noirs. Ces deux règles disent exactement la même chose, c'est juste dit d'une manière différente. Et. Euh, tout chemin euh, de la racine vers ses descendants possède le même nombre de noirs. Donc ici, ce chemin-là, j'en ai croisé 1, 2, 3. Ici, j'en ai croisé 1, 2, 3. Ici, j'en ai croisé 1, 2, 3. Ici, j'en ai croisé 1, 2, 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en gros, vous voyez que ça va maintenir l'ordre parce que naturellement, euh, on est obligé d'avoir euh, au moins une fois sur deux des noirs. Et on doit avoir le même nombre partout. Donc en pratique, euh, on force, entre guillemets, une, euh, un équilibrage. Alors la première fois, quand on ne nous parle pas des, des arbres de trois cartes et qu'on nous dit, alors pour équilibrer les arbres, on a inventé ça. Les gens, ils te regardent, ils font, quoi What Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette règle absolument stupide de nommer en rouge et en noir et que euh, j'ai pas le droit d'avoir deux rouges de suite et que le machin et que blablabla bla bla. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, euh, en fait, c'est vraiment pour faire l'isométrie et il y a une propriété qui est super intéressante euh, l'équilibrage des arbres rouges-noirs est moins rigoureux que les AVL. Attention, les AVL. Euh, ils garantissent qu'au plus, le déséquilibre, le balance factor global est de plus ou moins 1. Vous voyez que vous, vous rappelez que les AVL, c'était forcément plus ou moins 1. Euh, le, les arbres rouge-noirs, ils sont plus laxes là là-dessus. Ils disent que euh, les, la, 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 le, la hauteur la plus longue, le chemin le plus long, est au plus le double du chemin le plus court. Donc il ne peut pas y avoir un truc qui est deux fois plus grand que le plus petit. C'est à peu près équilibré, mais en pratique, on se pas mal sur les complexités, les trucs machin et tout ça, blablabla. Donc en pratique, ça reste vachement efficace. Même si c'est pas la garantie d'être parfait, parfait, parfait. Et alors, les règles d'insertion. Euh, les règles d'insertion, en gros, euh, je vous le fais rapidement. Mais j'ai pas envie de trop m'y attarder. Vraiment là, mon but c'est pas de vous coder des trucs. Hein. Vraiment euh, là, mon but c'est euh, c'est pas de le coder parce que c'est chiant à coder. Autant les trucs de grave, c'est les trucs que vous auriez à coder parce que c'est des problèmes qui arrivent entre guillemets euh, parce qu'il y a pas de lib toute faite ou n'importe quoi. Là, à chaque fois que vous allez manipuler ça, vous devez savoir que ça existe euh, et vous allez utiliser un truc qui s'en sert. Mais ils mais n'avaient jamais à coder ça. Quoi. Donc, euh, ça m'intéresse pas de le coder. C'est chiant à coder, c'est long à coder. Je préfère que vous compreniez les concepts plutôt que les, les faits. C'était un élément, j'en parlerai après, mais euh, euh, apprenez les concepts plutôt qu'apprendre les faits. C'est plus important. Euh, en gros, euh, c'est quoi l'algorithme d'insertion dans un arbre rouge noir quand on insère, on insère toujours un truc rouge. Donc, on insère toujours un rouge. Et une fois qu'il est inséré, on regarde si les propriétés sont invalidées. Donc, par exemple, euh, ici, euh, par exemple, si j'insérais euh, 5. 5, je vais à gauche, à gauche, à droite, à gauche. Ici, j'ai inséré 5. Mais quand on insère, on insère un rouge. On insère toujours en rouge. Et là, j'aurai une violation parce que si c'est 5, euh, on a un fils de rouge qui est rouge. Donc, on n'est pas content et on a besoin de faire une correction. Et il y a deux corrections possibles, je vous le dis super rapidement, hein, mais il y a deux corrections possibles. Euh, pour ça, on regarde son oncle, justement, et euh, on ne fait pas la même chose selon que son oncle soit noir ou que son oncle soit rouge. Euh, dans le cas, je ne me rappelle plus des deux, dans un cas, ce qu'on fait, c'est une rotation, et dans un autre cas, tout ce qu'on fait, c'est un color flip. Euh, et là, il me semble que ce qu'on va faire, c'est une rotation de mémoire. De mémoire, si l'oncle est noir, on fait une rotation. Et on va remonter ça plus haut, on va remonter euh, le truc plus haut. Et si l'oncle est rouge, alors on fait juste un color flip euh, de ces trois nœuds ici. Je le fais version super rapide. Hein. Et après, on va voir l'analogie. Je reviens après sur l'analogie. Euh, L'opération, voilà, on a besoin d'avoir l'oncle, en fait, justement et euh, de faire des rotations si possible et l'insertion voilà c'est au moment où j'insère euh, et je fais la réparation et ce que fait la réparation euh, si j'ai pas de gosse si j'ai pas de gosse et oh putain super insert case 1 insert case 2 insert case 3 va t'enculer euh, mais voilà ce qui est intéressant c'est voilà si mon oncle est rouge ou si mon oncle est noir je fais pas la même chose et euh, ça reste chiant, vous savez, ça reste plein de cas, c'est long et c'est laborieux, mais c'est moins pire que les, euh, que les arbres rouges noirs, que les, que les AVL. Donc je m'en fous un peu, euh, euh, comprenez que tous ces trucs-là, je m'en fous si vous ne comprenez pas tout par cœur de comment ça marche, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous comprenez, les arbres rouges noirs ont été, été faits et toutes ces règles-là ont été faites pour représenter les arbres de 3K d'une manière qui est plus simple à coder et qui est plus simple à, à exécuter. Euh, mais que conceptuellement, euh, à chaque fois qu'on se pose la question pourquoi c'est comme ça, la réponse est pour ressembler aux arbres de 3-4. C'est tout. Ça ne m'intéresse pas d'aller plus dans les détails là-dessus. Une fois de plus. Si un jour vous voulez vraiment savoir comment ça marche, euh, ouais, c'est. Ouais, voilà. Ah, bah voilà. Ah, c'est en 2008, pas en 2011. Pardon, excusez-moi. C'est qui propose qu'il euh, euh, a ajouté la restriction qui permet de faire des 2-3 et en gros ouais lui il fait l'insertion en 33 lignes de Java ouais donc en vrai voilà c'est beaucoup plus simple à c'est beaucoup plus simple à, à écrire euh, que, que qu un 2-3 4 et que tout ça même si ça a l'air chiant euh, tout va bien pour vous ah quelqu'un qui est en train d'écrire on va voir ce qui ce qui se dit, je regarde j'ai reçu un message, excusez-moi. C'est un message important. C'est du spam. C'est du spam, j'en ai pas besoin. Euh, y a-t-il un autre intérêt majeur aux arbres black/red, red/black, euh, que juste l'équilibrage de l'arbre Non, non, clairement. Toutes ces saloperies qu'on invente, c'est pour pouvoir équilibrer notre arbre et pour pouvoir maintenir la propriété euh, de recherche logarithmique. Parce que vraiment, le logarithmique, c'est vraiment le Saint Graal des Saint Graal. Le logarithmique, c'est tellement cool, c'est tellement puissant de faire du logarithmique. Euh, parce, que, euh, parce que quand tu es logarithmique, tu. Euh, euh, le log de 1 milliard, c'est 30 par exemple. C'est tellement le Saint-Gral qu'on paye tout ce prix et toute cette complexité pour une seule finalité, qui est euh, d'avoir un arbre équilibré. Donc vraiment, les arbres rouges-noirs, vous allez les voir à énormément d'endroits. Enfin, vous n'allez pas les voir directement. Euh... Euh, vous n'allez pas les voir euh, directement, mais ils sont un peu euh, la sauce qui se cache. Euh, derrière euh, pas mal des trucs que vous allez voir. Donc, par exemple, comme je disais, euh, si on va sur CPP référence, en C, nous on ne fait pas de C, mais euh, enfin, pas, pas pour l'instant, mais quand vous en ferez, ou si un jour vous voulez, que euh, la map, euh, l'associatif conteneur, euh, voilà, c'est implémenté avec un red black, c'est marqué ici comme ça en gros. Si vous regardez en Java euh, la map, C'est à peu près la même chose, je ne sais pas s'ils le disent. Euh, red. Non. Je vais voir si je vais choper un red-black. Black. Non. Que black non, ils le disent pas. Euh, ils le disent pas, mais euh, grosso modo, euh, vous êtes à peu près euh, persuadés que euh, la map est codée avec un arbre rouge-noir. Et map, hein, c'est le truc associatif hein, qui a clé associée une valeur. Et même carrément, euh, la hash map. La hash map, euh, je vous rappelle que elle, elle, est faite avec une table de hachage. Et je vous rappelle que lorsqu'il y a une, euh, une, euh, une collision, généralement une des manières, c'est d'avoir une liste de tous les trucs où il y a collision. Bah, carrément en Java, c'est que dans la collision, c'est un arbre rouge-noir des collisions. Chaque bucket est un arbre rouge-noir. Donc vous allez vraiment trouver ça vraiment 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 à énormément d'endroits, euh, derrière énormément de langages qui font des structures de données euh, associatives. Euh, et que c'est pas et que c'est pas une hash ce sera un arbre équilibré et cet arbre équilibré, euh, ce sera à tous les coups codé avec un rouge noir. Euh, c'est la même en no de mémoire. Vous avez, vous avez fait un peu no non Non, pas Standard lib. Vous avez un truc quelque part qui s'appelle les les maps en no et euh, c'est implémenté euh, de mémoire, c'est implémenté avec du euh, implémenté également avec du rouge noir ou une variante sur les rouges noirs, mais euh, c'est implémenté avec un arbre équilibré. Quoi. Euh, donc euh, ouais, c'est vraiment un truc que vous allez voir. Euh, euh, D'ailleurs pour la blague, hein, si vous voulez le voir de manière euh, juste pour la blague, pour ceux qui aiment bien le, la programmation fonctionnelle. Euh, on peut le faire en fonctionnel. Il y a un bouquin qui est super intéressant qui s'appelle euh, Functional Data Structures euh, ou euh, Purely Functional Data Structures. Excusez-moi. Euh, qui est le bouquin de Okazaki, le Chris Okazaki. Voilà, pardon. Euh, ce bouquin, non, voilà, oh c'est un PDF. Pardon. Ah bah c'est sa thèse pardon. avant que ce soit son bouquin, c'était sa thèse. Ça, ça ça on a le droit. Ça c'est la thèse qu'il a fait et ensuite il en a fait, une, euh, il en a fait un, un bouquin. Euh, mais euh, ce bouquin est super 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 drôle parce qu'il reprend tous les cours d'algo, toutes les data structures qu'on fait généralement et euh, il les code en, en fonctionnel, en Haskell ou en OCaml ou en truc comme ça et il montre que c'est super simple et super élégant. Et à chaque fois, il montre des trucs qui sont super chiants à écrire en Java, en C, en C, avec des algos comme ça. Et ensuite, il, euh, il, déroule, euh, il le déroule en, en fonctionnel et c'est super beau. Euh, si ça vous intéresse, hein, c'est une lecture que j'aime beaucoup. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, ici, on a le SICP, Structure Interpretation of Computer Programs, de Abelson Sussman. Euh, c'est un bouquin qui change votre vie, celui-là. Hein. Euh, c'est du skim, c'est une sorte de l'ISP. Hein. C'est euh, bah, un dialecte de l'ISP qu'ils qu utilisent. Euh, mais malgré tout, euh, ce bouquin en termes de design, en termes de réflexion, c'est de ce bouquin que je tire ma côte sur les news. Vous savez, euh, euh, tout code doit être, euh, avant tout être lu par des humains et seulement après exécuté. Le Tapple aussi, c'est le pire, celui-là. Le Tapple est super important comme bouquin. Il euh, y, y, y a pas mal de bons bouquins hein, qui sont vraiment, vraiment stylés euh, dans le bouquin. Le Ski Nage, je vous en avais parlé. Lui, vous pouvez vivre sans pour l'instant. Il est super intéressant, mais il est un peu violent. Euh, bah, c'est la théorie des catégories, c'est pour tous les trucs. Mais, mais voilà. Le CCP, c'est un bon bouquin. Euh, tout va bien pour vous Alors, je vous avoue, j'ai pas envie forcément de le coder plus que ça, le truc. Euh, je suis en train de réfléchir des autres bouts que j'ai à faire avec vous. Je suis allé plus vite que ce que je pensais, peut-être parce que j'ai refusé d'aller de... plus en détail. Je vous avoue, j'ai... Absolument pas la foi de coder euh, ni un AVL ni un rouge noir. J'ai absolument pas la foi de coder ça. Donc je pense que je vais, euh, je vais pas y aller. Et du coup, sur le temps qui reste, je vais, ça va être un cours qui va se terminer plus tôt et c'est pas plus grave. Je vais juste revenir sur les bêtises. Euh, J'ai dit. Euh, bam, bam, bam. Euh, J'ai dit que j'allais parler des bêtises ici. En fait, les bêtises, c'est une généralisation des arbres 2-3 de à des arbres 2-3-4. De en fait, au point où j'en suis, euh, qu'est-ce qui m'empêche d'inventer, allez, soyons fous, l'arbre 2-3-4-5 pendant qu'on y est Et pourquoi je pas. Euh, l'arbre 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je n'inventerais pas l'arbre 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et en fait, la généralisation, les arbres de euh, N, si vous voulez, leur généralisation, c'est ce qu'on appelle les bêtrises. Alors, pour la blague, personne ne sait ce que veut dire le B. Et euh... <laughs> Il euh, y a eu plusieurs trucs, et euh, même les, les, les inventeurs, euh, ils disaient en rigolant, euh, plus tu réfléchis sur la signification du B, mieux tu comprends les bêtises, pour de la gueule du monde. Personne ne sait ce que veut dire le B, c'est comme ça. C'est les bêtises. On a beaucoup de conneries comme ça dans l'informatique. Et en fait, les bêtises, c'est des bêtises d'un certain ordre. Ils ont un ordre, ils sont des bêtises d'ordre N. Et en fait, c'est tout con hein. Mais les arbres de 3, c'était juste un bêtis d'ordre 3. un b d'ordre 3, et les arbres 2, 3, 4, c'était juste un b d'ordre 4. Et donc, un b d'ordre 7, par exemple, aurait un, ce serait un arbre 2, 3, 4, 5, 6, 7, si vous préférez, euh, où euh, chaque nœud peut avoir euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gosses. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, valeurs possibles euh, au sein du nœud. Alors généralement, les seuls qui méritent euh, leur petit nom à eux, c'est 2-3 et 2-3-4, parce qu'eux, ils ont cette utilité euh, particulière parmi les autres batteries, parmi les autres ordres, de servir à l'équilibrage. Ah, il fallait que je vous parle quand même de, de l'isomorphisme entre 2-3-4 et... J'y reviens après, j'y reviens après. Rappelez-moi euh, qu'il faut que je parle des isomorphismes rouge mais bon, euh, je reste sur les batteries pour l'instant, euh, qu'ils ont cette propriété particulière euh, d'équilibrage. Mais sinon, tous les autres, généralement, on les, les, ba... les... c'est juste les bêtrises. quoi. Donc, à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on va plus loin À quoi me servirait euh, un truc comme ça euh... Vous voyez, je suis en train de dessiner le truc. À quoi ça me sert Sachant que là, je n'ai euh, plus forcément de manière garantie euh, la propriété d'équilibrage. J'ai plus la propriété d'équilibrage. À quoi ça sert Je vous laisse réfléchir, je vous donne quelques minutes. Quel est l'intérêt euh, d'avoir un bétri On dit, mais bah, attends. J'ai plus le coup, il y a toutes les feuilles au même niveau. Euh, et pour faire ma recherche, bah fondamentalement ma recherche, c'est con parce que je dois toujours parcourir, parcourir, euh, comme ça. Je vous laisse réfléchir. Je vous donne deux minutes de réflexion. Ouais. Euh, tu décroches souvent pour les live coding. Le secret des live coding, c'est de coder en même temps et, et d'essayer de le refaire. Et oui, donc. Euh Allez, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Euh... Euh... Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir des batteries, Sachant qu'il y a un piège. Mais oui, pendant que vous réfléchissez... Euh... Ouais, attention, ouais, si tu vois que tu décroches... Euh... Je peux faire des efforts pour faire les trucs qui ne décrochent pas et tout ça, mais euh, je vais être un peu méchant. Hein. Euh, mais ne pas décrocher sur un cours, c'est aussi de votre responsabilité. Hein. <laughs> je suis un peu méchant, mais euh, je... <laughs> on ne vous donne pas toujours tout sur un joli plateau. Hein. Alors, il n'y a, euh, a absolument personne qui se... Il n'y a absolument personne qui se, qui se propose pour une piste de pourquoi on voudrait faire des batteries. Bon, euh, je, je, vous, je, vous donne, je vous donne un indice, euh, je vous donne un indice. Euh, la solution n'est pas algorithmique. En termes de, de complexité algorithmique sur le papier, euh, on est euh, euh, on la même, on est kiff-kiff. Hein, si je reviens là-dessus, euh, notre équilibrage. On a à peu près notre équilibrage, donc on n'a pas trop de problèmes. Mais le gain qui est perdu, euh, sur le papier, vous ne voyez pas la différence. Alors, compréhension par des humains, c'est une bonne piste, mais euh, si on cherchait juste à faire des arbres auto-équilibrés, euh, blablabla, machin, euh, on se, on se contenterait les 2-3-4. Les 2-3-4 seraient suffisants pour comprendre. Pour du gain en mémoire, bah, j'occupe toujours autant de noms. En termes de complexité spatiale, bah, j'ai toujours autant de variables à l'intérieur. Une plus petite hauteur. Ah, et en fait. Euh, oui, bah, c'est un gros, gros piège. Euh, Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez, je vous avais dit dans quel cas les, les batteries étaient utilisées Est-ce que vous vous rappelez dans quel cas je vous avais dit que les batteries étaient utilisées Est-ce que vous vous rappelez Je l'ai dit. Je dis, c'est quand vous aurez les cours de gna gna gna. Et dans les cours de gna gna gna, on verra euh, les maîtrises. Les Est-ce que vous vous rappelez de ça Allez, faites un petit travail de mémoire. Bon, je vous donne la réponse parce que je vois que vous allez. Euh euh, en fait, euh, pensez en termes de disque dur. Ah, Quelqu'un qui... Ta mémoire te dit que t'as faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. Hein. Euh, le pensez en termes de euh, disque dur. Rappelez-vous un concept qu'on avait euh, vu rapidement. C'était un truc qu'on appelle le principe de localité. Qui est que, d'une manière générale... Euh, on aime bien avoir des éléments qui sont contigus. On aime bien avoir des éléments qui sont contigus. Mais un jump vers une zone euh, là-dedans, euh, ça peut coûter cher. Maintenant, imaginez que ce n'est pas un arbre qui est en mémoire, où là, effectivement, quand on fait des références, on n'a pas le truc de principe de localité et tout ça, mais que maintenant, c'est stocké sur disque dur. Comment ça marche, un disque dur Un disque dur, c'est des secteurs. Hein vous voyez comment ça marche un disque dur. Hein. Il y a un certain nombre de. C'est une collection de disques. C'est une série de, de disques, vraiment. Hein. Si, vous un, si vous ouvrez un disque dur, vous dévissez un disque dur pour la blague. C'est une collection de, de disques, un peu comme des CD. Sauf qu'ils sont complètement opaques. Et. Euh, oula, je suis en train de. En faisant ça, je, je fais gigoter. Et euh, chacun de ces trucs est découpé en secteurs. Ce qui fait que pour euh, accéder à un emplacement sur un disque dur. Euh, contrairement à de la mémoire flash euh, et c'est l'intérêt de la DSSD hein, euh, ou à la RAM où euh, l'accès à une case prend à peu près le même temps ou n'importe quoi modulo le fait que même en RAM il y a un principe de localité qui fait que le CPU va mettre en cache euh, tous les voisins d'une adresse que vous allez fetcher parce qu'il va partir du principe qu'à tous les coups vous allez accéder à un voisin mais à part ce cache là euh, fondamentalement taper dans une case mémoire ou une autre ça prend à peu près le même prix alors que dans un disque dur Passer d'un secteur à un autre, ça demande mécaniquement à une tête de lecture de changer jetage et de se positionner. Il bouge sa tête de lecture. Et donc, sur un disque dur, si chaque élément est stocké dans l'arbre, je stocke sur un disque dur mon arbre, avec chaque élément qui est, sur un, qui est sur un secteur différent, quand on se balade dedans, on prend cher. Et où est-ce qu'on va voir... Les b on va les voir dans les bases de données. Les MySQL, les PostgreSQL, les machins SQL, et toutes les bases de données relationnelles. Euh, on va stocker beaucoup de choses lorsqu'il s'agit de les stocker euh, de manière triée ou n'importe quoi. Typiquement les index. On peut stocker un truc, je, je, sans prendre trop d'avance par rapport au cours euh, que vous allez avoir sur les bases de données. Mais il y a un truc qui s'appelle les index. Euh, qu'on peut rajouter à, à, à un champ, en gros, qu'on peut rajouter à une table. Et un index, c'est un truc qui permet de, euh, de faciliter les recherches en construisant un arbre binaire de recherche, en gros, euh, qui permet, lorsqu'il s'agit de trouver un élément particulier, de trouver de manière logarithmique plutôt que linéaire. Et quand on rajoute un index, en gros, on fait un trade-off euh, espace contre temps, en gros, parce que on, quand on rajoute un index, un index ça veut dire qu'on rajoute un arbre binaire de recherche en gros, pour pouvoir retrouver rapidement un élément donné. Parce que par exemple, une base de données, euh, euh, je vous fais vraiment hyper rapidement, hein. euh, imaginez vous avez une table, euh, vous avez la table des étudiants, euh, students, et vous passez votre temps dans votre code. Euh, donc les students, ils ont euh, un champ qui s'appelle ID. Euh, un champ qui s'appelle email, euh, euh, un champ qui s'appelle, euh, je ne sais pas moi, euh, classe, euh, dans quelle classe tu es, j'invente une connerie. Euh, et bien ici on a des ID, ID 42, 51, euh, 12, 1, bla 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 bla. Et on s'imagine que dans mon code, euh, quand j'accède à la base de données, je passe mon temps à dire euh, donne-moi l'étudiant numéro machin, donne-moi l'étudiant numéro machin. Et vous allez vous retrouver à devoir aller scanner toutes les entrées pour trouver euh, le bon élément. Et du coup, lorsqu'on se rend compte qu'on a très souvent besoin de faire ce genre de recherche, de moi tel élément en particulier, euh, on, peut demander, et le et on peut demander à la base de données de faire ce qu'on appelle un index. Et en plus de ça, il va construire un arbre, un arbre binaire de recherche auto-équilibré, euh, des IDs, afin de trouver rapidement euh, le bon élément en temps logarithmique plutôt que linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les index. Mais comme les tables ainsi que les index, vu qu'une base de données, c'est persistant, c'est pas en RAM, est stockée sur disque dur, c'est très très chiant de faire ces sauts comme ça. Et donc, on calcule, euh, on calcule la taille des arbres, en gros, pour que chaque nœud soit un secteur entier. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on lise secteur par secteur et tout est orienté de manière à optimiser les accès aux disques durs et donc si vous êtes sur papier si vous êtes papier crayon algorithmiquement vous ne verrez aucun intérêt aux batteries pourquoi faire des batteries quel est l'intérêt des batteries alors que algorithmiquement ça fait la même chose que mes 2 trois quatre ou que mes n'importe quoi ou que mes rouges noirs effectivement sur le papier il n'y a pas d'intérêt mais dès qu'on quitte le papier et qu'on va dans le vrai monde et qu'on a des disques durs, rotatifs, avec des bouts qui bougent, et que passer d'un secteur à un autre, surtout si le secteur est éloigné, la distance physique entre les secteurs a un impact de temps réel, et que le but des besoins, c'est qu'elle aille vite, alors nous concevons nos structures de données de manière à tirer parti de ça. Et là, c'est là que les batteries deviennent intéressantes, parce que... Euh, on fait en sorte que chaque nœud, en fait, est à peu près la taille d'un secteur. Et on peut lire secteur par secteur, comme ça. Et c'est une grande optimisation. Et ça a plein d'autres euh, propriétés que je ne vais pas pour l'instant détailler. Mais vous pouvez les trouver sur la page, euh, sur la page Wikipédia, euh, si vous allez là-dessus. Dans les batteries, blablabla. Euh, Voyons le truc, la blague. Voilà. Plus tu penses à ce que B veut dire, euh, mieux tu comprends les batteries. Voilà, personne ne sait ce que ça veut dire que le B. Euh, mais en gros, c'est vraiment une généralisation. Hein. C'est vraiment une généralisation des 2, 3, 4, des 2, 3, 4, 5, des machins. Ici, il est d'ordre 5, vous voyez, parce qu'il y a 4 nœuds. Ordre 5, c'est le nombre de gosses. Mais il y a toute une partie qui s'appelle l'utilisation de les bases de données. Voilà. C'est vraiment à ça que ça sert. C'est l'utilisation de la base de données, euh, les index, euh, l'insertion, la délétion. Et il y a plein d'avantages. Donc comprenez, c'est là pour l'instant pour en parler euh, plus. Je devrais parler plus de ce que c'est qu'une base de données et m'avancer sur le cours sur les bases de données. Donc n'ai pas trop envie de trop en parler, mais euh, comprenez que euh, voilà au niveau des blocs disques et des, et des secteurs. Je dois plutôt pas dire que ça t'a des blocs plutôt que des secteurs. n'est pas la même chose bloc et secteur. Je me suis merdé. On doit plutôt dire que les nœuds sont faits de manière à ce que ça tienne dans un bloc disque. Pardon. Mais en gros, euh, c'est fait de manière à, euh, à optimiser les accès disques voilà euh, voilà pour les batteries. Euh, ça va pour vous alors euh, on l'a vu pour les pages maloc en système alors ça tu l'as vu c'était pour la RAM cette optimisation ce principe de localité c'est une chose mais là je parle de quelque chose qui est encore pire qui est au niveau des accès disques et les niveaux d'accès disques ils sont encore plus lents mais euh, le, la, la perte est sur des ordres de grandeur euh, encore pire quoi le processeur qui anticipe. Alors attention, hein, au niveau, oh, c'est pas tant qu'il anticipe, c'est qu'il qu met en cache. Les processeurs peuvent faire des anticipations marrantes. Je vais terminer sur ça, sur le truc un peu marrant, sur les anticipations que peuvent faire les processeurs. Euh... Euh... Regardez. Alors je sais pas si on va, si je vais pouvoir le faire apparaître. Je sais pas si je vais pouvoir le faire apparaître, mais pour vous montrer un truc d'anticipation, un truc un peu marrant. J'ai envie de vous montrer un truc drôle. Euh, merde, excusez-moi, j'ai fait tomber mon. Euh, Donnez-moi une seconde. Je ne sais pas si je vais le faire apparaître, mais j'ai envie de vous montrer un truc un peu marrant. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Là, je ne suis pas en train de parler en termes de CPU. Hein. Là, ce n'est pas une optimisation CPU. Euh, regardez rapidement. Euh... Euh... Il me faudrait un tableau de random. Ah oui c'est quoi Attends, plutôt que vous le faire, je vais vous montrer la question Stack Overflow. Deux secondes. Voilà, plutôt que moi je m'amuse à recoder le code. Euh, voilà. La fameuse question, cette question est assez légendaire. Euh, comment ça se fait que euh, parcourir un tableau euh, trié c'est plus rapide que parcourir un tableau non trié. Euh, et donc, il regarde, il dit, bah regardez mon code. On peut deviner à peu près le code, hein, il n'est pas compliqué. Hein. Il a un RSI de 32 000 machins mes couilles. Et pour chaque élément dedans, il met une valeur random. Et il se rend compte que il veut juste, euh, pour tous les nombres là-dedans, faire une double boucle, faire un truc à la con. Hein. Mais il dit, alors que clairement, je suis pas en train de me parcourir machin ou n'importe quoi. Mais il dit, si jamais je trie le tableau, et les sort, ça, ça trie le tableau, hein, et bien ça, ça va six fois plus vite. What the fuck Comment ça se fait Et en fait, le secret, euh, il a essayé en Java, donc il le fait en Java, il trie le tableau, et là, pareil, euh, c'est plus rapide. Et en fait, le secret, euh, sur le papier, vous n'allez pas trouver, la, trouver le truc, c'est de la branch prediction. La branch prediction, c'est euh, en gros euh, le, le if qui est ici. Vous voyez qu'à chaque fois, ce qu'il fait dans sa boucle, c'est pour chaque élément qui est ici, il est soit il est supérieur à 128 et je le garde, soit il est inférieur et je le perds. Et donc à chaque fois... À chaque tour de boucle, il tombe sur ce if. Le CPU, il détecte, il tombe sur ce if et il fait bah parfois c'est à gauche, parfois c'est à droite, parfois c'est à gauche, parfois c'est à droite. Et comme c'est random, il peut rien prédire. Par contre, si le tableau il est trié, eh bien tout, au moins la première moitié, à peu près la première moitié du tableau, à chaque fois la condition sera fausse. Et au bout d'un moment, le CPU est dit bon dis donc à chaque fois que je passe sur ce if, je dis que c'est faux. Dis donc. Euh, on va partir du principe que c'est faux, et euh, fallback, pour une manière bizarre, enfin, on va prédire que c'est faux. Et le seul moment où il va se merder, c'est le moment où il va switcher de euh, tous les cas sont faux à tous les cas sont vrais, parce qu'il a atteint ce stade, parce que maintenant c'est trié. Et là, d'un seul coup, il va devoir rattraper ce temps-là, mais après, tous les autres trucs, il part du principe que c'est vrai. Donc, en fait, le CPU, il est capable de prédire des trucs comme ça, et du coup, le code va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle de la branch prediction. Donc, ouais, il est complètement capable de comprendre ça. Ça s'appelle de la, de la branch prediction. Euh, donc, ça, c'est un exemple d'optimisation de, de, que peut faire un CPU qui fait que de nos jours, beaucoup des. Euh, c'est pas que la branch prediction, mais c'est un exemple des choses qui font que de nos jours, euh, réfléchir uniquement en termes de calcul euh, sur papier, de complexité algorithmique sur papier, peut nous jouer des tours. Ça peut nous jouer des tours, attention, euh, parce que. Euh, tout euh, la réalité n'est pas que le papier. Et les CPU sont beaucoup plus complexes que ce qu'on voit aujourd'hui et euh, ne sont pas qu'une... Euh, ne se contentent pas d'exécuter de, ligne par ligne. Euh, C'est pour la même raison que euh, de nos jours, euh, on préfère faire des vectors plutôt que des, euh, euh, plutôt que des listes chaînées. Il faut que je vous retrouve le talk de Herb herbsetter, euh, vector, performance. Euh, je ne sais plus l'écrire. Euh... Voilà. Alors ce, le, le talk il est un peu plus vieux. C'était pour présenter. Euh, C'était en 2014. C'était pour présenter le C++ moderne. C'est pas important. Mais en gros, dans son talk, Herb Sutter c'est euh, la tête du comité de standardisation de C++. Euh, donc c'est un, c'est pas un schtroumpf. Mais en gros. Sans entrer les détails, je ne suis pas là pour parler de C++, mais à un moment, il parle des vecteurs et il dit les vecteurs, c'est mieux que les listes chaînées. Et il sort des benchmarks et il dit peut-être que sur le papier, il y a plein de cas, genre l'insertion au milieu où euh, ouais, mais c'est en haut de 1 sur la liste chaînée, tu comprends, parce que gna gna gna, je n'ai pas à tout recopier. Et il dit peut-être, c'est vrai, mais le principe de localité est plus puissant. Et d'une manière générale, on veut toujours être local. Et c'est pour ça que les vecteurs, même si en termes de complexité algorithmique, ils ont l'air plus nuls, en pratique, en perf, ils éclatent les listes chaînées de par le principe de localité. Et en fait, ils en déduit une règle de design dans le code de haute performance qui est déréférencer un pointeur égale exploser mes performances. Et qui dit au maximum, on essaye de jamais faire des sauts, des jumps via des déréférencements de pointeurs et de toujours garder un maximum de choses continues pour un maximum de performances. Et je de mémoire, il le montre dans ce talk. Euh, donc je ne sais plus si c'est ce talk, mais... Euh, on s'en fout sur les bordures C++ c'est pas le but euh, c'est pas le but du, de, de, du cours là je m'en fous de vous parler du C++ c'est pas ce qui m'intéresse euh, moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer euh, voilà euh, si t'aimes bien les performances il parle des tableaux euh, mais voilà euh, ce qu'il dit c'est euh, ça s'applique pas que au C++ qui raconte dans ce talk là c'est qu'il montre que quand on fait des déréférencements comme ça euh, ça coûte cher alors que si jamais le contenu est, euh, est contigu, euh, bah ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Genre un vecteur par rapport à un truc avec des listes chaînées ou des machins. Et en gros, voilà. Et euh, bon, le, le bench date de 2014, euh, mais il montrait comment euh, on, pouvait, euh, on, pouvait démonter, on pouvait démonter les benches tant qu'on respectait le principe de localité, quoi. Et euh, tant qu'on ne en pas de pointeur, euh, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le préfetching. Le préfetching, c'est ce que fait le CPU c'est qu'il dit, ah, tu es en train d'accéder à la case 42, ensuite tu es en train d'accéder à la case 43, ensuite la case 44, ensuite la case 45. Au bout d'un moment, il fait, bon, ok, j'ai compris, tu vas me demander 46, 47, 48, 49, tu sais quoi, je vais les préfetcher et les mettre en cache parce que tu vas me les demander. Et donc, c'est pour ça qu a, que le CPU, il adore les trucs continu, parce qu'il peut faire du préfetching. Si chaque case est un pointeur et à chaque fois on va à un endroit différent, le genre dans une liste chaînée, euh, le CPI peut pas du tout prédire ça. Et donc en vrai, les structures contiguës sont très puissantes. Et euh, donc là je m'éloigne un peu. C'est pas lié au, euh, c'est pas lié aux euh, mais c'est lié de loin dans cette considération qui est attention parfois ce qui nous gouverne euh, ne va pas se trouver dans un bouquin et dans une analyse de complexité papier crayon. Euh, le réel est plus compliqué. Euh, le réel a des vrais disques durs, le réel a des vrais CPU, et euh, par exemple euh, on peut se poser la question maintenant qu'on a des SSD plutôt que des. Euh, maintenant qu'on a des SSD plutôt que des disques durs rotatifs, est-ce que les bectries sont encore d'actualité C'est une vraie question. Et toutes ces choses-là. Voilà, C'était juste pour vous dire attention, voici plein d'exemples de cas qui font que euh, les choix qu'on fait euh, sont parfois un peu plus subtils. Euh, voilà, alors c'est pas tant qu'il calcule plus vite que le temps de la donnée, c'est plutôt que il a mis en cache euh, dans le doute. Euh, il, a mis, il a mis en cache et euh, bah parfois ce qu'il a mis en cache avait pas de sens et parfois il peut taper dessus. C'est tout. Toujours rapidement, si vous avez des questions. Mais oui, vous l'avez vu avec Maloc euh, en système, euh, le, le principe de localité qu'on aime bien quand les choses sont contiguës. Comment sont codés les CPU Waouh, wow, c'est extrêmement, extrêmement complexe. Un, un CPU moderne de nos jours est extrêmement complexe. Euh, Gabi est la personne la plus adaptée. Il euh, y a un master euh, qui est spécialisé. en. en J'ai quelques amis à moi qui sont en master à Paris 6 de mémoire. où Ils ont un master spécialisé low level où ce qu'ils font, c'est recoder des procos. C'est pour les gens qui veulent vraiment partir dans le giga low level et faire des procos. Euh, je peux peut-être voir pour piquer, des, pour piquer des, du matériel pédagogique là-dessus, mais en gros, euh, ouais, c'est euh, euh, technique. C'est technique, les CPU. C'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. D'autant plus que, par exemple, vous avez vu euh, en cours le système, vous avez vu la pagination, euh, vous avez vu tout ce qu'était la MMU et le fait que on, euh, les adresses virtuelles sont traduites en adresses adresse réelles. C'est pas quelque chose qui est fait en software, c'est pas le kernel qui fait la traduction. C'est euh, une feature du CPU et le kernel est client de cette feature. Donc, c'est le CPU qui, de manière hardware, dans le CPU, fait la pagination et la traduction. La MMU, c'est une feature euh, matérielle. Et euh, donc, ouais, les CPU font des trucs qui sont, euh, qui sont assez violents. Je tente de voir les dernières questions. Mais non, vous n'allez pas galérer. Euh, vous n'allez pas galérer euh, c'est euh, si vous suivez bien les méthodologies qu'on a donné euh, ça va bien se passer ça va bien se passer hein. maintenant le C vous l'avez dans les doigts euh, euh, tout ce qui vous reste entre guillemets c'est du design hein. le C il n'y a pas non plus un milliard de trucs dedans hein. vous, avez, vous avez vu ce qu'il y avait à voir en C maintenant ce qui vous reste c'est du, euh, du design de code c'est de l'approche de code euh, et si vous y allez petit, petit bout par petit bout euh, que vous découpez bien vos trucs, que vous faites bien des tests, des tests fonctionnels, des tests unitaires, et tous ces trucs-là, ça va bien se passer. Hein. Euh, euh, J'entends tout à fait, il y, y a toujours ce besoin euh, de se construire un peu, je euh, suis un peu méchant avec vous, hein, mais d'avoir une sorte de, de bovarisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le bovarisme hein, par rapport à Madame, un roman, Madame de Bovary. Le bovarisme, c'est s'imaginer euh, euh, affrontant la tourmente et les ouragans et se sentir grandi par... Euh, euh, par les terribles choses qu'on doit affronter et il euh, y a un peu je trouve qu'il y a toujours un peu un bovarisme dans le rapport à 42SH on va dire, oh là là 42SH et nous allons souffrir et affronter 42SH et on va tous mourir genre, franchement arrêtez quoi. genre euh, c'est pas contre vous que je le dis hein. je, je le dis à tout le monde parce que je le dis à tous les ingénieurs mais genre, enfin franchement, il est vraiment offert sur un plateau, quoi. On vous a dit c'était quoi la ST, on vous a dit comment il fallait le faire, on vous a dit dans quel ordre comment le faire, on a fait 25 conférences. Euh, enfin, la seule chose qui reste, c'est écrire le code, quoi. Donc vraiment, la seule chose qui reste, c'est écrire le code. Et en parallèle, vous avaient des cours de THL qui vous montrent littéralement comment on prend une grammaire qui est donnée et comment on, et comment on la parse, quoi. Genre, littéralement, on ne peut pas plus vous le mettre sur un plateau, quoi. Et le projet, il n'est pas si compliqué que ça. Quoi. Et tous les bouts qui étaient un peu funky, ils n'existent plus. Il n'y a pas l'interactivité à gérer, il n'y a pas machin et tout ça. Euh, euh, déroulez tranquillement tous les éléments qu'on vous a donnés. On ne vous les a pas donnés pour rien, pour la blague. On vous a fait plein de conférences. c'est pas pour rien. Toutes les conférences qu'on a faites, c'est parce qu'on pense qu'elles vont vous aider. Tous les cours qui ont lieu à côté, on a fait pour les aider. Vous déroulez ça tranquillement. 42SH, il se fait tranquille. Petit bout par petit bout. Donc, euh, ça va bien se passer. Parce que le problème du bovarisme, c'est pas en mode Ah, ça me fait chier de vous entendre de vous plaindre. Le problème, c'est pas ça. C'est que y a, dans le bovarisme, il y a souvent des prophéties autoréalisatrices. Si vous imaginez que le truc est plus compliqué que ce qu'il est, vous allez avoir des blocages, vous allez être paralysé, vous allez pas rentrer dedans, vous allez pas écrire la moindre ligne de code. Et vous allez terminer dans un système où vous n'avez pas écrit une seule ligne. Si vous n'avez pas écrit une seule ligne. Alors que le plus simple, c'est juste Bah écoute, on commence à coder et puis merde. Ça sert à rien d'essayer d'écrire le code parfait. On commence à coder et puis merde. Et puis voilà. Et puis on avance. Et puis de toute façon, comme on code bien, comme on fait du TDD et tout ça, on écrit du code. Et ensuite on rajoute une feature. Et ensuite on rajoute une feature. Euh, c'est tout. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la méthodo. Petit pas par petit pas. Le code ira beaucoup bien quand vous aurez commencé à un code qui écrira Hello World. Ensuite vous écrirez un code qui écrira un truc très débile. Ensuite qui gérera un truc de plus, puis un truc de plus, puis un truc de plus. Et avant que vous en rendiez compte, vous aurez tout qui marche. Simple, net, efficace. Vous juste voir ça. Vous voyez la 42 Sage comme un projet laborieux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ne le voyez pas comme un projet compliqué parce qu'il ne l'est pas. Vous avez tous les éléments. Et ça, j'imagine que vous avez gueulé quand j'ai dit ça. Non, vous n'avez pas gueulé, ça va. Bon bref, sur ce, euh, je vous lâche. Parce que j'ai pas grand chose de plus à dire, je vais pas bouffer les 15 dernières minutes juste pour parler d'un truc. Je vais essayer de réfléchir à faire des trucs un peu funky, euh, comme je disais, euh, de pair programming, de machin et tout ça. Euh, Discutez-en avec moi sur le forum, du coup. Euh, je suis assez preneur et qu'on qu étudie un peu tout ça. Et euh, sur ce, voilà, continuez à discuter. J'essaie je de discuter un peu avec vous. Euh, essayez de réfléchir si vous êtes partant. Pour faire du pair programming avec moi. Euh, donc soit déjà les breakout rooms où chacun travaille en, en petits groupes de 2, 3, 4, je ne sais pas trop encore, et moi qui vais de groupe en groupe euh, pour guider. Donc là, ce ne sera pas sur Twitch, hein, c'est moi qui ferai des petits trucs et machin. Euh, soit, donc ça c'est un truc qui peut être intéressant. Soit mais il faut que la personne accepte. Hein, ce sera des personnes qui seraient partantes. On prend un problème qu'il y a à faire et la personne me rejoint sur un call Discord et en même temps que le stream rejoint le stream et euh, partage son écran et on fait du pair programming avec moi. Et euh, donc, bien sûr, bien évidemment, avec bienveillance, avec tout ça. Euh, mais j'ai conscience que c'est pas quelque chose qui peut être stressant. Mais s'il y a des gens qui sont partants, euh, qui se prononcent, euh, et, euh, et on peut essayer de faire des petits exercices comme ça, je pense qu'on y gagnerait énormément. Euh, voilà. Je vous souhaite un très bon appétit, euh, une très bonne fin de semaine. Il n'y a pas cours de réseau cet après-midi. Euh, mon prochain cours de réseau est la semaine prochaine. Donc, reposez-vous bien ou euh, vous faites les autres cours dont vous avez besoin. Euh, tranquillement votre cours de SH. N'oubliez pas que c'est important de prendre des pauses. Ne riez pas jaune quand je vous dis de prendre des pauses. C'est pas... <laughs> Il est marrant alors qu'à Epita, on sait très bien qu'il n'y a pas de pause. Non, non, arrêtez arrêtez avec la blague de... À ah, Epita, on ne se repose pas. Non, non. Euh, vous vous reposez pas, vous explosez en vol et vous merdez votre année. Les gens qui survivent à l'Epita, c'est ceux qui trouvent le temps de se reposer. Est, on est des êtres humains. Euh, arrêtez de, 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 de transformer l'Epita en cette construction absolument fantasmée et chimérique euh, où on n'est pas en train de dormir. C'est faux prenez le temps de vous reposer si jamais vous êtes dans une situation où vous euh, n'avez pas le temps de vous reposer vous ne vous rappelez pas de la dernière fois que vous avez pris 20 minutes pour mater une série euh, que vous dormez pas la nuit vous dormez 4 heures par nuit vous êtes toujours en train de coder et, euh, et chaque, chaque moment est en train de coder le problème vient de vous enfin, je, je sais que c'est violent ce que je suis en train de dire le problème c'est pas l'épita l'épita ne vous demande pas ce rythme de travail si vous êtes placé dans ce rythme de travail c'est que vous avez un problème dans votre organisation prenez le temps de vous reposer parce que sinon, vous n'allez pas survivre. Allez, sur ce, très bonne fin de week-end à vous, enfin, très bonne, très bonne fin de semaine à vous, très bon week-end à vous, bon courage pour 42SH, et on se voit pour le prochain cours. Bisous bisous.